Attendez, faut que je prépare un minimum quand même. Alors, bon, 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 bon. Il euh, y, y a trop de trucs à parler. Ah ça c'était ouf. Bon, hop hop hop. Oh là là, oui, bonjour. Tant pis pour l'image. La... J'ai envie de prendre le soleil là, ça va. Hein. <laughs> Comment ça va, les gens Salut Marola, ma salut Ider Aïe. Bon, ouais, regardez, je me suis fait kidnapper. Je suis enfin sorti de ma, ma détention provisoire. Ah, c'est. Oula Ah, j'ai mis un bout de banane sur mon écran. Ah, c'est une folie en vrai. Là. Ça charbonne à la fac. Hein. Ne croyez pas les gens qui vous disent que ça fait rien, c'est faux. Euh, je me suis même fait engueuler par Moufette parce que je, je streamais pas assez. <laughs> mais en vrai, c'est dur de gérer son temps comme ça. C'est quoi que t'es promis prof du coup Ah t'es quel enfer, putain <laughs> En plus, non mais vous savez que ça non, mais ça m'a fait trop mal à l'aise. Genre, je lisais, je suis, du coup, je suis... en gros, ce matin, je, je suis passé un oral là sur Foucault. Euh, sur euh, le, le, le courage de la vérité. En vrai, je vais vous montrer. Je suis passé du coup sur ce truc-là, qui est, euh, en gros, on est en train d'étudier le livre Le courage de la vérité, qui est euh, un peu... Euh, euh, c est, c est, un, un cours qui permet de comprendre euh, la question du discours vrai, de qui peut dire la vérité, qui peut l'entendre. Euh, bref, tous ces trucs-là. Et euh, du coup, je devais faire un, un exposé sur, ce, sur le deuxième cours sur le, le deuxième cours. Alors déjà, le premier truc, c'est que je suis en mode euh, on est en groupe, donc nous on, on est quatre. Euh, déjà hier, il y a le gars de mon groupe qui me dit, euh, Off oh, Taro, t'es là, tu nous as sauvé l'exposé. Je suis en mode, ah bon bah d'accord. <laughs> Moi, ça me met trop mal à l'aise, j'ai juste envie d'être tranquille. Et euh, Et du coup, là, donc on passe en exposé ce matin. Et, euh, et cet après-midi, je rentre, je me mets à lire machin, je reviens dans, dans le couloir pour aller en cours. Et là il y a un mec qui me dit, oh putain c'est trop bien ton exposé et tout, euh, c'était trop cool, j'ai tout compris et tout, merci machin Il y a un autre gars qui arrive qui dit la même chose On me dit, oh putain merci, euh, ça m'a permis de comprendre, c'était trop bien et tout, en vrai euh, putain t'es quasiment si bon qu'un prof et tout Et je suis en mode, ah arrêtez, laissez moi tranquille <laughs> Bref, et en vrai non c'était assez marrant de se dire Bon ok le stream en vrai de vrai, ça a une, ça a une utilité quand même J'ai pas, pas passé deux ans au RSA à galérer pour rien donc ça c'est un petit peu le, le côté positif quoi Mais euh, bref Ah oh, c'était rigolo après euh... Après en vrai c'est frustrant C'est frustrant parce que euh... Genre j'arrive à, à mettre les idées en place et tout Mais putain écrire des textes c'est vraiment pas facile hein. En tout cas je trouve pas ça facile Salut j'espère que tout va bien pour toi Merci à toi euh, Salut à toi euh, Nali J'espère que tu vas bien aussi installez vous bien les gens Bah en fait ouais j'étais malade toute la semaine Je voulais streamer et tout avant mais j'ai été malade toute la semaine comme un chien Et du coup j'étais KO Et en fait j'ai genre dites de vous samedi dimanche j'ai rien fait j'ai fait juste dormir et, euh, et regarder des... Enfin essayer de lire, regarder des trucs J'ai vraiment pas du tout réussi à faire grand chose Et là je sors un petit peu de la maladie du coup je suis en mode y bah, go je vais un peu streamer même si je sais qu'il y a Wissam qui va lancer après, mais c'est pas grave, je fais une petite heure, une heure et demie, puis après j'irai raid. Mais euh, c'est vrai que c'est dur en vrai de trouver du temps, euh, c'est assez frustrant. Parce qu'entre les trucs à lire, les exos à faire... Euh... Enfin en vrai voilà, il y, y a pas mal de choses à faire et du coup c'est pas euh... C'est pas simple. Go lire archéologie du savoir de Foucault, ça fait relativiser sur la forme écrite. Ok ok. Merci à euh... Koufen. Mais de toute façon, je vais lire. là Les gens, justement, je voulais vous conseiller. Euh, donc, je vous conseille absolument ce livre de Foucault. Évidemment, l'histoire de la sexualité. Mais en vrai, de vrai, les gens. à toi, Spixy. J'espère que tu vas. En vrai, les gens, je vous conseille surtout. Et ça, honnêtement, lisez-le parce que c'est le toute la création de la biopolitique et de la na... enfin, la naissance du concept de biopolitique se retrouve dans le dernier chapitre de ce livre-là. Et du coup, honnêtement, les gens, lisez le la volonté de savoir l'histoire de la sexualité. Mais au moins le dernier chapitre. C'est pas grave si vous n'avez pas tout lu, c'est vraiment pas très gênant. Mais au moins le dernier chapitre, et vous, vous verrez, c'est vraiment euh, utile, je trouve. Ça va, Harry Day, deuxième semaine. Ah bah vas-y, à force à toi. Hein. En vrai, moi aussi, j'ai en... été malade toute cette semaine, c'était l'enfer. Genre, dites-vous, il y a une journée, je tournais à bout de 4, 4 doliprane. J'étais enfin, au bout du rouleau, quoi. Le début est banger aussi, ouais. Mais le livre est vraiment bien. Le début est bien aussi ouais mais en vrai voilà je, je vous conseille sincèrement le, le dernier chapitre notamment sur toute la question de néolibéral et tout il est vraiment vraiment bien et comme ça si vous voulez pas tout lire bah vous pouvez vous lire au moins ce passage là donc super cool et du coup ouais en ce moment moi je suis en train de lire euh, Le Courage de la vérité et en fait là je vais je, je pense que je vais lire euh, bah, quasiment tout Foucault en fait ce, cette année là Parce qu'en gros bah les profs sont Foucaliens euh, Enfin, beaucoup de profs utilisent Foucault, euh, Foucault utilise beaucoup de, de penseurs antiques. Et donc du coup, bon, en fait, tu peux faire une... Euh, tu peux rebondir avec euh, voilà, là, le fédon de, de Platon. Enfin bref, et c'est assez pratique. Et donc du coup, je pense que je vais lire beaucoup, beaucoup euh, de Foucault euh, euh, cette année. Mais ouais, donc du coup, c'est frustrant. C'est frustrant parce que j'ai moins le temps de faire des streams. Euh, j'ai moins le temps de lire d'autres trucs à côté. Mais bon c'est pas grave, hein, c'est un peu le, le jeu. Hein. Mais euh, voilà, et donc du coup ouais, on m'a dit ce matin, on m'a dit euh, t'étais un bon prof. <laughs> donc du coup je suis content. Euh, ma... Mon emote onizuka prend tout son sens. Non, en vrai ça m'a fait plaisir et en même temps je suis en mode ah des profs Foucaldiens Bah quand je dis Foucaldien en mode euh, qui, qui aime beaucoup, beaucoup Foucault quoi. Euh, pas à pas euh, foucaldien dans le sens euh, en mise en pratique, enfin je sais pas comment on pourrait le dire, mais en tout cas, beaucoup beaucoup de profs. Enfin, en tout cas, là j'ai un semestre, enfin j'ai une matière qui se base clairement sur Foucault, on va faire toute la, tout le semestre sur Foucault, et j'ai un autre prof où euh, globalement ses auteurs préférés c'est Foucault et Deleuze, donc du coup, enfin, on, on le ressent. Genre dites-vous, on a fait le cours, et, euh, et durant le cours il nous a montré, euh, donc c'est en histoire de la philosophie, et il nous a montré H comme histoire de, de Deleuze. Et du coup bah c'était trop cool. <laughs> Genre du coup t'arrives en cours et tu regardes du Foucault, du Deleuze, t'en vas bon bah c'est bien, c'est le, le plaisir. <laughs> et pareil en vrai ça m'a motivé à me refaire du coup la BCDR parce que euh, en fait il y a plein d'infos quoi. Niveau rythme, c'est pas trop lent pour toi. Euh non du tout, franchement pas du tout. Parce que... Euh... Parce que, euh, en fait, moi j'ai une bonne culture euh, générale, une bonne culture politique et tout. Mais en vrai, en culture philosophique, je suis pas du tout euh, bon, quoi. Et pareil, la, la pratique, donc tout ce qui est écriture, je suis vraiment pas bon non plus. Donc, du coup, non, en vrai, c'est bien. Et en fait, justement, euh, le, le, tout le bagage de connaissances me permet d'être euh, euh, hyper euh, safe. Enfin, pas safe, mais ça me fait gagner un temps fou tu vois genre moi j'ai pas mal des camarades de classe là où ils sont un peu perdus sur les citations d'auteurs et tout et en fait vu que moi j'ai quasiment bah, toutes les citations que les profs disent je les connais quasiment tous bah ça m'enlève enfin ça m'empêche d'être perdu dans la... la les informations un peu superflues quoi exactement la culture, la culture politique ça est énorme exactement et ça c'est un vrai vrai plus moi j'ai abordé Foucault en M1 pendant un semestre et uniquement parce qu'une doctorante bosse située ah ouais non nous nous c'est <laughs> dites moi je suis en licence 1 de philo <laughs> <laughs> Je suis en licence 1 et euh, j'ai un Fouca euh, un prof qui nous fait un cours sur un tout un TD sur Foucault et euh, voilà. Et dites-vous les gens, j'ai même une prof du coup en en philosophie politique. On va bosser sur euh, James C Scott et euh, et Thoreau. Du coup, c'est trop bien. parce en fait, on fait vraiment, on, a, on aborde vraiment la question de l'État. Et là, on a fait les contractualistes avec Rousseau et Hobbes. Et euh... Et euh... ouais t'es sur une super bonne run, ah mais de ouf, genre vraiment je suis trop heureux, genre même là en même là en, en méthodo on, a... on bosse sur du niche, enfin tu vois franchement c'est trop cool, je vois quasiment que des bons auteurs quoi, c'est pour ça que c'est vraiment agréable. C'est vraiment agréable et du coup ça rend le truc euh, vraiment hyper accessible. Et, euh... et c'est vrai que bah, là le truc un peu plus compliqué c'est de falloir lire, euh... enfin que je me mette à lire des auteurs... Euh que j'ai pas trop envie de faire, quoi. genre Descartes et tout, il va falloir que je m'y je penche dessus, quoi. Ouais, ah bah voilà, j'ai passé la licence sur Descartes et Platon. Bah, Platon, en vrai, ça va. Platon, c'est assez intéressant, en vrai de vrai. Euh, notamment sur tout le côté généalogique des idées, de la pensée et tout, c'est vraiment trop intéressant. Et tu vois, vu que nous, on a l'approche de Platon et d'Aristote par l'angle foucauldien, bah, ça rend le truc encore plus agréable, parce que du coup, tu peux voir comment euh, Platon, Aristote et euh, le, toute la clique de l'Antiquité peut être utilisée euh, dans une pensée, euh, 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 tu vois, une pensée intéressante, euh, euh, moderne quoi. Et du coup, ça rend le truc intéressant. Je suis pas d'accord. Ouais, mais en fait, genre moi non plus, ça m'intéresse pas trop Platon, tu vois. Mais euh, la manière dont c'est euh, Platon une fraude, mais Non, mais je comprends. En vrai, je comprends vraiment l'idée. Mais euh, mais ma la manière dont c'est, euh, ça peut être utilisé, bah, rend le truc agréable, tu vois. Et euh, bah, après, je prends surtout, bah, tu vois, moi le fait là qui m'a un peu rassuré sur Platon, c'est justement d'avoir Foucault qui l'utilise beaucoup et du coup de me dire, ok. C'est intéressant. Genre même si on peut être en désaccord, machin, il y a, y a des trucs intéressants. Du coup, non, c'est assez cool. Franchement, c'est vraiment cool. Et ça rend le truc plus accessible. Parce que moi, je vous avoue, bon, lire La République, on s'emmerde un peu, quoi. Mais euh, bon, voilà, après, c'est une matière, donc ça va. Mais non, en vrai, c'est super intéressant. Et euh, du coup, ça, ça... Euh... Et vous voyez, pareil. Genre par exemple, oui, là, j'ai lu ce livre-là. Donc c'est un livre de philo... Euh... Euh, qui parle de la fin du monde, et justement, à un moment, il y a un passage sur euh, les, contractual les contractualistes avec euh, la, la distinction entre Hobbes et Rousseau. Et du coup, je suis trop content parce que maintenant que j'ai la, 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 la compréhension de ce que c'est les contractualistes, euh, ce, qu ce qu'ils sont, leur vision de penser, la manière dont l'état est pensé, la manière que c'est fictif, que ça n'a jamais été mis en place, etc. etc. bref, tous ces trucs-là, ça m'aide vraiment à comprendre. Et du coup, je suis trop content maintenant quand j'ai lu ce livre-là. Il y a un chapitre où je suis en mode, ah putain, ouais, c'est bon, je comprends ce que ça veut dire. Pour moi, c'est une sorte de tribu qu'on doit à la philosophie, mais. Euh, en gros, euh, on perd notre temps Ouais, mais après... C'est comme tu vois, mais c'est pour ça que c'est hyper intéressant par rapport à l'histoire de la philosophie, c'est que bah ça fait partie des meubles et du coup bah il faut s'y intéresser, intéresser, pas forcément pour tout savoir, mais au moins pour comprendre. bah, Tu vois, genre rien que Foucault, bah, se comprendre. Ok, il a bossé sur ça pour ça, machin, machin. Nietzsche pareil, tu vois. Nietzsche, il a tout un héritage un peu euh, euh, lié à ça. Et en fait, les plus grands philosophes ont cet héritage-là et du coup, bah, c'est bien de le connaître un minimum pour un peu voir. Euh, d'où ça vient quelle était leur problématique quelle a été leur, 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 leur la, la suite de tout ça etc. en tout cas moi je le, je le vois comme ça après euh, c'est vrai que je préférais ne pas y passer mais bon c'est pas pas gênant quoi et pareil un truc qui m'intéresse c'est la philosophie médiévale j'y connais absolument rien et ça pareil ça m'intéresse de ouf pas forcément euh, l'idée qui se développe mais euh, je trouve ça trop intéressant de découvrir un peu c'était quoi les thèmes euh, qu'est-ce qu'ils évoquaient euh, euh, dans quel contexte et tout c'était trop trop intéressant et du reste ah ça m'a fait rire tout à l'heure en méthodo on a parlé de justement de la distinction entre l'érudition et euh, la connaissance, le savoir et tout. Et on a parlé du coup, on a pris un exemple de Nietzsche euh, qui, en gros, Nietzsche euh, évoque beaucoup l'oubli. Donc ça, je pense, chez de, chez, chez Dani, <laughs> oh, il, il va être content, euh, Dany. Chez Dany, euh, il en parle souvent de cette question de l'oubli. Qu'en fait, il faut laisser l'oubli pour euh, faire, laisser de la place, etc. Mais n'est pas forcément un oubli. Euh, en mode euh, l'effacement pur et dur, c'est aussi une imprégnation de la connaissance. Elle s'imprègne et euh, en fait il y a une forme de euh, imprégnation plus euh, libération et du coup bah as de la place de nouveau pour acquérir des informations. Bref. Et, euh, et du coup euh, c'était super intéressant parce que ça euh, pour ceux qui étaient chez euh, <laughs> chez Calivision hier, ils ont regardé la, le débat là. Débat euh, Monsieur Fi et Etoven. Euh, et en fait, c'est justement là où tu vois, Beethoven, c'est une énorme fraude. Euh, c'est qu'en fait, justement, Beethoven ne fait que Etoven ne fait que citer euh, des, euh, des auteurs sans jamais en fait les, les articuler machin. Et tu vois à quel point c'est une immense fraude quoi. J'arrive et j'ai lu dans le chat, Platon est une fraude. Ah vrai, okay, chacun leur avis. Moi, je dirais pas fraude, mais j'avoue que je genre. Euh, je trouve ça un peu facile. Bah, et Ethoven, il dit un peu ça en mode, euh, oui, euh, toute la philo est, 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 est ancrée dans Platon, tu vois. Ouais, bon, euh, ok, c'est intéressant, mais du coup, c'est comme dire, euh, ouais, toute la, toute la toute la question de la mythologie et de l'histoire est, est, est ancrée dans Homer. Oui, bah, ok, super, c'est les premières traces qu'on a, du coup, c'est les seuls à avoir. Enfin, tu vois, bon, je trouve ça un peu facile. Mais bref, salut Frozen. Euh, pour moi, Foucault, Nietzsche quand ils font de l'histoire de la philo, c'est ok du point de vue... Histoire, c'est cool, mais c'est pas ça ce qu'ils sont le plus pertinent. Par... Au contraire. Mais non, mais oui, je suis d'accord avec toi, Koufen. Merci beaucoup, euh, John, pour l'abonnement. Le... Pour le... Mais en fait, là où je suis pas d'accord avec toi, c'est parce que ils ont encaissé toutes ces informations de philosophie antique, etc., qu'ils en sont aussi intéressants sur leurs histoires de la philosophie. Et en fait, justement, moi, c'est là où je m'en rends compte à ce niveau-là. Je redécouvre Foucault sur l'angle de, de, de l'information philosophique, et c'est à... hallucinant. Mais en fait, tous les auteurs qu'il a lus, mais c'est mais je vous jure, c'est une dinguerie. Le mec, il a lu tous les putains d'auteurs de l'Antiquité, quoi. Et c'est pour ça que c'est intéressant de... de... fait, tu peux pas l'effacer. Quoi qu'il arrive, c'est ce qui fait qu'ils sont ce qu'ils sont, quoi. Sur l'avenir des établissements d'enseignants en de Nietzsche sur la question de l'érudition et du problème que ça pose dans l'enseignement en Allemagne. Ah bah, trop intéressant. Et du coup, euh, et du coup voilà. Et en fait, c'est là où tu vois que euh, Beethoven, c'est ça... un... C'est un tocard érudit qui fait qu'en fait il connaît tout, il peut tout citer, mais il est incapable de citer euh, matériellement, organiquement Bergson par exemple. Et en fait dans un moment il n'arrête pas de citer Bergson. Et en fait, ce qu'il oublie de dire, c'est que Bergson, justement, dans son époque, était un, un fou furieux des de, de connaissances scientifiques et il ne faisait que lire des, des sujets de science, de science, en fait. Et c'est pour ça que Bergson, il était aussi intéressant dans euh, sa réflexion sur la conscience et tout, bref, sur plein d'autres sujets comme ça. Mais c'est aussi parce que il était dans cette émergence de la science et du coup, il, il articulait ça avec euh, les organes, les machines et tout. Et c'est ça qui rend le truc trop intéressant. Et ben, Euthoven, il est incapable de lier ça. Et c'est là où tu te dis mais c'est grave, c'est dramatique. Moi franchement, je vous jure, ça me rend fou. Hein. C'est dramatique de voir que ce mec-là peut euh, parler dans tous les médias machin et de dire mais que des bêtises. Et en fait, il ne fait que citer des auteurs, il les cite hyper mal, il les contextualise vraiment pas et du coup, il leur fait dire n'importe quoi. Genre ses positions sur Spinoza, c'est mais c'est ahurissant. Genre il est anti-Spinosiste en citant Spinoza, c'est trop fort. C'est et pourtant je maîtrise pas hein. le peu que je maîtrise, je suis en mode mais mec tu dis n'importe quoi. Deux aussi c'est une machine. Non mais oui voilà. Et en fait c'est moi je vous jure ça m'impressionne et ça me ça me motive aussi. C'est en fait c'est impressionnant et c'est aussi motivant. Euh... C'est aussi hyper motivant de se dire Putain, c'est impressionnant de, de voir qu'en fait, les mecs, ils ont tout lu. Ça leur est utile, et même pour la pensée moderne. Et c'est pas juste des bouquins euh, casse-couilles, tu vois. Et moi, ça me motive, en fait, de me dire Ok, bah, je vais lire des auteurs, genre des Descartes et machin. Je, je pense que je peux en tirer des choses intéressantes, tu vois. Et c'est une forme de motivation aussi pour dépasser le. Tu vois, genre Descartes et Kant, j'ai pas envie de le faire. Mais ça va me permettre de dépasser ça et de me dire Ok, faut y aller. Monsieur Phi, il est bien dans ce débat. Bah, je le trouve plutôt bien. Euh, en fait, ce qui est intéressant dans Monsieur Phi, si tu veux. Euh, en fait, dans le débat, en gros, pour comprendre un peu, euh, parce que ça, je ne le savais pas forcément, mais euh, par exemple, quand vous lisez un, un texte philosophique, et je trouve que. Euh, je vais prendre un exemple pour que vous compreniez ça. Euh, Fabrice Flippo. Euh, Flippo AOC. En gros, dans la méthode philosophique de l'écriture des arguments, euh, en gros, un paragraphe, c'est un argument. Et, euh, et en fait, ça, en fait les, les auteurs du coup construisent pardon, des, des, une, une, pensée, une pensée philosophique et un, un argumentaire avec un, un paragraphe, un argument, un paragraphe, un argument, etc., etc. Et en fait, euh, dans les, je trouve les articles de Flo, Fabrice Flippo fonctionnent bien comme ça, et en fait ça m'a permis de mieux comprendre, par exemple, quand je lis, un, quand je lis certains auteurs euh, philosophiques, comme ce gars-là, même s'ils écrivent, sur l'écologie politique, mais en fait c'est vrai qu'on re revoit cette question de, ok, un argument, un paragraphe, et du coup ça c'est intéressant. Et ben, justement, Monsieur Phi, dans ce débat-là, là où il est super intéressant, c'est que qu'il en fait, il il, il part sur un argument, et il va défendre cet argument-là. Et il le change pas et du coup il avance comme ça et en fait ça, ça rend le truc trop trop agréable que Haydn et c'est là l'enfer sur terre c'est que Haydn dès que M Phil lui répondait et que ça le contredisait et eh ben il abandonnait son argument en mode ah ben attends je vais changer ma thèse et du coup il, a, il en fait il changeait d'argument à chaque fois qu'il reprenait la parole et en fait il changeait de thèse et d'argument à chaque fois et c'était insupportable et non pas d'argument il changeait de thèse pardon Donc, en gros à un moment il partait dans un sujet euh, M Phil contredisait et au lieu de continuer dans son sujet en disant, mais non, regarde, je vais pouvoir te montrer machin. Mais il, il, il disait, ah non, mais attends, en fait, c'est pas vraiment ça que je disais. Et du coup, c'était trop casse couille Donc en vrai, M. Fils en est plutôt bien sorti. Dans le sens où, même s'il a été un peu piquant et tout, ben, au moins, il était assez carré dans j'ai une thèse, je fais argument par argument par argument. Et chaque fois, mes arguments défendent ma thèse. Et j'avance comme ça. Et c'était hyper agréable pour comprendre un peu où est-ce qu'il voulait aller. Mais le, le débat en soi, moi, j'ai trouvé. Euh, insupportable tu vois et en fait et c'est là où je me rends compte que le, le bagage philosophique est assez intéressant c'est que justement à quel point euh... mais en fait Einthoven ne fait que citer des gens et en fait si t'as pas le bagage et ben tu te fais perdre instant et là où tu peux vite voir que c'est une fraude c'est que dès que tu commences à avoir un minimum de bagages euh, philosophique mais ben en fait tu te rends compte que c'est une immense fraude j'ai l'impression qu'on redécouvre tous les ans qu'Einthoven est un incapable non mais pas tous les ans euh, mais, mais en fait euh, moi, là où je m'en rends compte de plus en plus, c'est plus j'ai un bagage philosophique qui, qui commence à se construire et un vrai apprentissage philosophique, plus je me rends compte que ouais, c'est vraiment une fraude sur le côté philosophique. Après, c'est aussi une immense merde tout court, c'est une immense merde sur, euh, sur le côté politique. Là-dessus, je vous conseille l'émission de Moumou. Euh, écoutez le passage de Moumou où il y a Beethoven, y a, y a, y a c'est l'enfer! C'est vraiment, il dit des horreurs quoi. Il est pas juste Elthoven, euh, il n'est pas juste nul. Elton consacre toute son intelligence à être un intellectuel plaisant pour son milieu de journalistique et bourgeois. Ouais, mais c'est ça. Et en fait, ça, ça le rend quelqu'un, tu vois, il ne sait pas penser. En fait, il ne sait pas réfléchir. Genre, ça, ça se voit, il il est, il est incapable de réfléchir. C'est un mec qui te ressort des. En fait, il te ressort la méthode philosophique, mais il ne sait pas réfléchir. Et c'est. En fait, c'est même presque triste, il y a un côté presque tragique, presque triste, de se dire, mais mec, euh... en, en, ouais, en fait, c'est un côté un peu tragique, un peu bizarre, de se dire, mais tu, tu ne sais pas réfléchir. C'est vraiment bizarre, tu vois. Un espèce de singe savant, bizarre et malheureux. Ouais, c'est exactement ça. Et moi, bon, il y a un côté un peu euh, euh, pathétique, quoi, un peu, une, une, presque une forme d'empathie, en mode, enfin, sur le côté philo, hein, pas sur le côté politique, là, c'est qu'il aille se faire foutre, mais sur le côté philo, il y a presque un côté un peu, un peu, euh, en, un peu empathique, en mode... Euh, mais frérot, euh... travaille quoi, enfin, je enfin, sais pas, fais autre chose ou travaille, ou, ou lâche, ouais, lâche... lâche, le truc quoi, enfin, tu n'es pas fait pour ça, c'est pas grave. Son histoire perso est pathétique aussi. Oui, oui, de ouf, l'histoire le... perso est tout aussi pathétique, exactement. Ah ouais. mais ce mec, c'est bref, je ne comprends pas pourquoi il soit autant mis en avant dans les médias, c'est, c'est un peu dramatique. Ouais. Euh, oui, comme disait Monsieur Phi, euh, c'est un lycéen qui sait faire que citer des arguments d'autorité qu'il maîtrise pas. Oui, et surtout que voilà, et, et, et surtout que la première chose qu'on vous apprend en philosophie, c'est que l'argument d'autorité n'a pas de valeur. En, en fait, tu peux arriver, tu peux arriver dans une dissertation, euh, citer trois arguments d'autorité qui ont, qui ont été prouvés vrais, etc. temps as zéro parce que ça n'a pas de valeur philosophique. On s'en fout en fait, c'est pas ça qui est intéressant. Et en vrai, fait, c'est ça qui est, qui est fou, c'est que même dans la pratique de l'exercice de la philosophie. Il, même ça, il le fait pas bien. Enfin, c'est. Je sais pas. <laughs> ça me dépasse. <laughs> ça me dépasse de ouf. J'ai une certaine délusion honteuse euh, quand j'ai compris que tous les bourgeois bien culture légitime sont pareils. Bah ouais, et en, et en vrai, bah, tu vois, mon prof de méthodo, c'est trop intéressant. Mon prof de méthodo, si vous voulez, c'est un prof, euh, un jeune prof. Il doit avoir 2 ou 3 ans de moins que moi. Je crois qu'il a genre 26 ou 27 ans. Et en fait, justement, euh, c'est ce qu'il expliquait. Il expliquait que euh, c'est abusé à quel point. Euh. euh ça, ça abusait à quel point, euh, en fait, ils ne, ils ne font que citer des trucs qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne maîtrisent pas, et, et tu peux très vite voir la fraude, quoi. Et c'est pour ça que lui, il expliquait que, euh, lui, en tant que prof, il préfère 100% un, un gars qui va écrire sur One Piece et qui va montrer l'argument de One Piece. En gros, là, il a eu une copie. Alors, c'est un truc sur une, une question des une question des gouvernants je sais pas quoi et en gros dans sa copie les élèves ils ont utilisé euh, les corsaires de one piece pour euh, montrer à quel point bah, en fait quand le gouvernement il est délégué à des gens et ben bah, il y a, y a ce, cette dispa ce, ce ce côté de délégué euh, transforme en fait la relation au pouvoir et peut vite se transformer avec la corruption etc et en fait ils ont utilisé one piece et genre le prof en mode bah moi let's go tu vois un gamin qui utilise one piece il a compris l'argument qu'un jean-michel qui va te citer euh, un auteur au pif, genre de et en mode ah bah comme de le dit, ben bah ouais mais si tu l'articules pas dans ton texte, pff, ça n'a aucune valeur, tu vois. Globalement aucun philosophe antique de la culture euh, classique et antique Bah justement. Et du reste ça j'ai trouvé ça intéressant dans, la, dans la, le texte de Benjamin Constant. Euh, qu'on a dû lire un peu à, pour la rentrée qui, qui était assez intéressant de la liberté des anciens comparée à celle des modernes le texte est vraiment cool tu vois mais c'est là où c'est super intéressant c'est que jamais il remet en question l'idée de dire mais en fait toute la, la démocratie athénienne ne fait que reposer sur l'esclavage en fait genre c'est pour ça que c'est assez intéressant tu vois bon après les profs philo niveau bourgeois bêtis Betty... ouais non après moi là ça se voit les profs que j'ai les gens bah, c'est que des enfin les profs jeunes que j'ai c'est des contractuels euh... Euh, en mode. Euh, il... Enfin bref, ça se voit que c'est des gars, sont... enfin, c'est que des précaires, tu vois. Et, euh, et, lui... et en vrai, lui, ça se ressent direct. Euh, les... Genre, euh, dès que tes profs ils commencent à te sortir des exemples et que ça te cite du Marx en mode premier exemple qui vient en tête, t'es en mode bon, ça va, c'est la safe place. <laughs> Genre, dites-vous quasiment à chaque cours on a une citation de Marx. Hein. En vrai, honnêtement, les gens, Lille, euh, plutôt une bonne université, hein, je trouve. Enfin, à gauche quoi. C'est un peu la safe place. Sur carrière il y a deux limites où il montre des paradoxes, c'est les esclaves et la guerre. Ouais. ouais. Euh, mais euh, du coup, voilà, ouais, genre... Euh, euh, Marx, gros penseur. Ouais, en plus de ça, en fait, il est utilisé pour le côté philo, mais même pour le côté un peu politique. Enfin euh, bref, globalement, dans mes cours, ça parle de lutte des classes, ça parle de conscience de classe, de conscience de... Bref, ça parle d'idées révolutionnaires, enfin tu vois, c'est cool, quoi. On est en mode, euh, on se fait pas chier. <laughs> c'est vraiment intéressant. Du coup, euh, c'est pas juste... Euh... Euh, c'est pas juste les idées marxistes, c'est vraiment, bah ouais, comme tu dis, la, la, la pensée marxiste, la pensée matérialiste. Donc euh, non, c'est vraiment trop cool. Il avait aussi dit, dans un monde de pensée critique, il y a que l'idiot pour se cacher sous son petit doigt. Ouais, bah après lui... Euh... Après Willy, oui, le gros gauchiste, même sans folie. Ouais, non, bah, franchement, c'est vraiment agréable. Et puis même les profs un peu droit c'est... Bah justement, tu vois, c'est bien, ça fait un peu le... Tu vois, genre par exemple, on a un prof là en anglais, il, il, il nous fait tout un cours sur... Euh... Sur le conservatisme, etc., tu sens qu'il est un peu attiré par ses idées euh, droites, un peu ses idées libérales, autor... enfin pas autoritaires, mais bref, un peu conservatiste et compagnie. Mais en vrai, c'est intéressant parce que bah, déjà, c'est l'un des seuls profs un peu avec cette idéologie-là. Et puis, il est pas non plus euh, turbo-dogmatique, quoi. Il essaye vraiment de expliquer machin. Bon, tu vois, quand il attaque des idées de gauche, qu'il est un peu, euh, un peu critique, tu vois. Mais en vrai, ça reste intéressant. Et puis, euh, on apprend, du coup, là, là, là on est en train d'étudier un gars qui s'appelle euh, Russell Kirk, je crois. Russell Kirk. Qui est un gars qui a essayé de mettre en place une. Non, c'est pas Russell. Putain, merde. C'est pas Russell. Euh... Kirk. Attendez. Conservatisme. <laughs> ça, ça me fait rire quand je confonds les, les trucs. Ah, bah si, c'est bien Russell Kirk. Pardon. Ouais, eh, c'est bien, lui. Salut, euh, Rizam. Merci beaucoup. Salut à toi. J'espère que tu vas euh, Russell Kirk. Et tu vois, bah ça, c'est intéressant parce que du coup, on développe sur la pensée euh, conservateur et compagnie, l'idéologie, machin. Et euh, c'est pas juste euh, full gauche, quoi. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Et du reste, euh, merci Rizom. Hein, franchement, euh, tes, les, toutes les discussions machin, ça me sert bien. C'est vraiment pratique. Hein. Du coup, euh, non, non c'est vraiment trop cool. Donc euh, voilà. Non, c'est euh, franchement, je, je suis content et ça me, vous voyez, ça me motive. Genre là, par exemple, bah, je me suis acheté euh, en fait sur la bouquinerie du sart Donc la bouquinerie du, Sars, donc là, la bouquinerie du Sars, pour ceux qui sont dans le nord de la France, c'est, euh, c'est un site internet qui, euh, en fait, c'est une recyclerie de livres et euh, bouqui bookie... Le Riz du Sar. Et il sur Amiens et sur euh, Lille. Et, euh, et du coup, en fait, la dernière fois, il y avait des promotions. Enfin, il y avait genre 20%. Et du coup, je me suis acheté genre euh, plein de livres de philo, là. Et, euh, et en fait, je suis content parce que je me suis pris Le Gorgias, que je vais essayer d'enfin lire. Je me suis pris Le Dispute de Brumaire. Il faut que je lise. Euh, le truc de Rousseau sur les langues, je connais pas. Bon Kant un peu la flemme, décarte un peu la flemme. Ah oui par contre les gens... <laughs> je suis vraiment en mode collectionniste, un peu autiste. Genre j'ai pris que les flammarions, je les trouve trop beaux. <laughs> je les trouve trop beaux les flammarions. Et euh, voilà, du coup j'ai le Aristote les politiques. Et le, le Hops. Et, euh, et en fait, voilà, je suis en train de me faire pas mal de petits bouquins. Et en vrai, c'est trop trop, trop 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 cool. Parce que pareil, les, les profs quand ils vous font travailler sur des, euh, des auteurs. Ils vous pile à chaque fois les chapitres, les livres, machin, et du coup tu peux relire. Et, euh, et non, en vrai, je suis vraiment content parce que les cartes Pokémon. Ouais, non, franchement, mais je suis trop trop content parce que je commence vraiment à, 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 à prendre plaisir à lire de la philo, à comprendre, à lire. Et à. à... Vous voyez, je sais pas si vous vous souvenez, il y a, il y a deux ans, quand je faisais les, les lectures philo en live, j'étais vraiment perdu, quoi. Et là, c'est de plus en plus simple, même si j'ai encore beaucoup de mal sur certains textes où je vois qu'il y a des moments juste, je capte pas le texte. Mais ça y est, ça commence à, à se décanter, donc c'est vraiment trop cool. Kant, c'est dur. Ouais, Kant, euh, moi j'ai trouvé ça euh, vraiment dur. Et en fait, dites-vous, les gens, j'ai un cours d'expression. De... Euh... En fait, on fait vraiment presque du bécherel. Un cours d'expression euh, et d'analyse de. Non, c'est pas ça, merde. Si, c'est ça. Si, euh, expression écrite, c'est ouais, ça. Expression écrite, analyse et, et méthode. Et en fait, dites-vous, j'ai vraiment des cours en mode bécherel ou en mode euh, truc Voltaire, tu vois. Et en fait, je me rends compte que je suis vraiment gaze en, en écriture. Et que le fait d'être mauvais en écriture euh, participe au fait. Que j'ai du mal à lire certains textes de philo. Euh, dans le sens où, et c'est c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment appris. En fait, je sais pas si vous voyez ce que c'est, les erreurs de syntaxe. En gros, la, la syntaxe, c'est vraiment comment tu construis une phrase avec euh, sujet, verbe, complément et comment tu additionnes les machins. Mais genre vraiment, ça, moi je suis éclaté, je connaissais pas du tout. Et bon, ça peut, ça peut, peut être voir être bizarre, mais c'est vraiment un truc que je maîtrisais pas quoi. Et en fait, là, l'idée d'avoir des cours, c'est vraiment des cours de qu'on est censé faire au primaire, mais bon, c'est pas grave. Et bien en fait, d'avoir euh, comment est construit une phrase machin, et bien en fait, des fois, genre avec des petits mots à la con, euh, je sais pas, des, des, des prépositions, des trucs comme ça, ben, en fait, ça change le contenu de la phrase. Sur, genre par exemple, l'argument, au lieu d'être porté sur un petit sujet, il peut être porté sur un autre truc. Et des fois, la nuance, ça se fait sur euh, un petit mot. Et c'est pour ça que des, ça, ça m'est déjà arrivé aussi, où des fois tu comprends à l'envers. Parce que, en fait, t'avais pas euh, associé l'argument ou l'idée la, la, au petit mot qui était juste avant ou juste après ou peu importe. Et c'est hyper important, en fait. Et du coup, même si tu, le cours est vraiment casse couille c'est important. Et c'est là où je vois que j'ai vraiment des lacunes, quoi. T'as raison, c'est les bonnes éditions à prendre pour les intros et les notes. Ok, trop cool. Bah, déjà, moi, je trouve que c'est des, des décisions qui elles sont, vraiment, elles sont vraiment belles. Et t'as raison, c'est vrai que j'avais ce côté-là sur les, les, les intros. En fait, très souvent, par exemple, bah, je m'en suis rendu compte, là, la dernière fois. Genre, par exemple, Macla Machiavel. En fait, le texte il fait à peine euh, 50 pages quoi. Ou un peu plus, il doit faire une centaine de pages. Et en fait, avant, c'est que des définitions, des, des notes, des machins. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il euh, y a plein de textes comme ça, philo, où les bouquins sont hyper épais. Et en fait, le livre en lui-même, il y a 40 pages, tu vois. Et du coup, ça me motive aussi à lire en me disant ah, mais en fait, c'est pas si gros que ça. Euh, ça m'inquiétait, puis en fait, non, c'est tranquille. Alors là, moi, à part les penseurs grecs, c'est la place rouge, euh, mes connaissances. Euh, Gunther Anders, c'est de la philo vraiment intéressante à lire, c'est un peu doomer sur les bords, mais pour la forme c'est ultra accessible et c'est pertinent pour euh, tout un tas Ouais, bah, Gunther Anders, je, je dois le lire pour... Euh... Euh, bah je sais qu'il est beaucoup cité là-dedans, mais euh, il, y a, il, il est cité... Ah non, c'est pas là-dedans, mais je, la dernière fois je voulais le lire justement parce qu'il y a... Un... En, fi... enfin, en écologie politique, il est souvent cité, je sais plus pourquoi c'est, mais... Euh... Mais très très intéressant. Oh, oui, en gros très pauvre. Ok, bon bah, après, la fenêtre, la, la connaissance, ça s'acquiert au fil du temps. Contrat social de Rousseau, c'est pareil. Ouais, ouais Et contrat, contrat social, ça se lit super vite. Euh, je l'ai acheté, là, récemment. Euh, je l'ai acheté récemment. Et en fait, contrat social, c'est euh, plein de petits passages et ça se lit très, très vite. Rousseau, c'est le piège, ça semble facile à lire, mais il faut se méfier, c'est difficile, même si ça semble facile à lire. Voilà, et c'est exactement ça. C'est qu'en fait, là où il faut faire super attention, c'est quand c'est facile à lire, bah, vérifier les les petits mots vérifier les justement les constructions de phrases etc parce que des fois on va lire une phrase et on va pas se rendre compte que la phrase bah, en fait elle est peut-être pas accolée à... enfin bref et c'est un peu particulier et c'est un peu la comme tu dis c'est un peu la baisse et du reste les gens ça c'est un truc qu'il faut que, vous... parce que je l'avais pas forcément en tête ce truc là les contractualistes donc ceux qui ont pensé les formes de l'état donc on va, on va prendre moi les deux que j'ai vus donc Hobbes et Rousseau il y en a d'autres hein, il y a, je crois qu'il y a John Locke aussi bref bon, il y en a plein d'autres mais là on va bon, on va prendre ces exemples là euh... En fait, quand ils pensent les états, euh, c'est des choses fictives. Il faut vraiment ça garder ça en tête. À l'inverse, par exemple, de Machiavel. Euh, je vais prendre Machiavel et Rousseau. Et en fait, euh, la grosse différence de ces gens-là, c'est que Rousseau va penser un état fictif idéal qui ne s'est jamais passé, mais qui, euh, si on remettait from scratch la société, si on, on, prend, on démarrerait... Le contrat social par les, la méthode dans laquelle a pensé Rousseau, ça serait entre guillemets une forme d'idéal. Alors qu'à l'inverse, Machiavel, la manière dont il pense la relation à l'État, c'est dans du concret, et du coup, c'est pour ça aussi que c'est différent et que c'est plus, voilà, plus accessible. L'État de nature, bah, après, l'État de nature, ça, c'est des, des bases de réflexion philosophique. Euh, je ne sais pas si on peut dire que c'est vrai ou pas vrai, je, je pense que ça n'a même pas vraiment d'important de dire ça, tu vois. Euh, attendez, on va, essayer du coup de répondre à des questions parce que du coup, les, pareil, l'état de nature chez Rousseau et chez euh, et chez euh, et chez Hobbes, elle est vraiment différente. Chez Hobbes, l'état de nature, c'est l'idée que on est en constante guerre perpétuelle. C'est toujours la guerre l'un contre l'autre et que du coup, on va toujours se faire la guerre pour protéger notre sécurité, etc. Donc ça, c'est la. La, la, la pensée de, de Hobbes à l'inverse, Rousseau est plutôt inversement, il dit complètement l'opposé en disant non, à l'inverse, l'état de nature est quelque chose de positif enfin, euh, on, on est en fait on est euh, on est euh, empathique et, et social par l'état de nature, mais la société nous corrompt, et en gros il attaque Hobbes en disant, euh, toi tu as pensé l'homme, mais déjà transformé par la société, donc du coup as ton, ton contractalisme ne fonctionne pas parce que tu es déjà un camp un, un cran plus loin. Euh, donc voilà, donc ça c'est la grosse différence. Et en fait, il faut toujours garder en tête que du coup, c'est des pensées euh, fictives, et que ces pensées fictives-là, et c'est là que c'est toute la notion qui est importante, c'est que -du on part de pensées qui sont fictives et qui ne se sont jamais mises en place, mais ça a permis de mettre en place, par exemple, des lois juridiques, etc. etc. Et c'est pour ça que c'est hyper important de le comprendre. Et, et là-dessus, John Dewey, par exemple, euh, fait bien le parallèle. John Dewey, je vous en ai parlé la dernière fois, c'est un, un pragmatique états-unien qui justement lui part de la philo en mode il faut que la philo soit utile dans le concret. Si, euh, si une réponse n'a pas d'importance dans le concret, le problème est, on s'en fout. Le problème n'est pas important. Si, si la, le problème est important et qui transforme le concret, alors c'est intéressant de s'y atteler. Et en fait, ce qu'il dit justement John Dewey, il explique que euh, la pensée contractualiste même si elle est fictive, elle a modifié notre environnement, elle a modifié notre perception de l'état, et de ce fait-là, on ne peut pas euh, l'effacer, machin, c'est quelque chose qui est, qui est présent. Et du coup, cette généalogie de l'idée de contractualiste, de l'idée de, de l'état, et de euh, même l'état de nature, machin, machin, bah, se perpétue jusqu'à jusqu nos jours avec la construction des états, etc. Donc c'est ça qui est intéressant. Mais gardez vraiment en tête que euh, Rousseau et Hobbes, ce sont des trucs fictifs et en fait la, la question de, de contrat, elle n'existe pas. Il n'y a pas de signature de contrat, il n'y a pas de machin. C'est vraiment deux choses différentes. Et pareil, euh, chez, euh, chez, chez Ops, la, la, la truc du contrat, c'est un contrat d'autorisation. donc En gros, c'est-à-dire que vous autorisez euh, la, la, la personne au-dessus ou l'État, en gros, à, à agir en, en votre nom. Quoi. On appelle ça un contrat d'autorisation. Alors que euh, plutôt chez Rousseau, c'est un truc un peu plus euh, de... Je pense, euh, j'ai pas encore vu mais je pense euh, de d'échanges ou de relations entre guillemets euh... Du coup on ne contracte pas, tu sais que ça, je fais la blague à chaque fois en cours Je suis en mode, <laughs> et si je ne contracte pas, <laughs> ça me fait rire. rire Ça me fait, en vrai ça me fait trop rire c'est un postulat qui n'existe pas, mais qui met en lumière le processus social en amenant à la création de la société et les concessions que chacun admet pour faire advenir la société. Chez Rousseau, ce, de, ce dont je me souviens. Ouais, c'est un peu ça. J'ai pas encore vu Rousseau, mais c'est un peu cette idée-là. Mais en fait, c'est hyper important. Parce que moi, enfin, je, je vous l'explique, parce que moi, c'est quelque chose que je, je n'avais pas en tête. Pour moi, je ne savais pas que c'était fictif. Et c'est pour ça que je, en fait je ne comprenais pas. Quand on parlait de contractualisme, et, de, et, et en fait, j'étais à chaque fois en mode Mais MDR, je l'ai pas signé le contrat, qu'est-ce que tu me casser les couilles Moi, je suis né là-dedans, j'ai signé aucun contrat. Pourquoi vous me faites chier, tu vois Et en fait, j'avais jamais vraiment compris que c'était fictif. Et du coup, bah oui, forcément, vu que c'est fictif, euh, évidemment que ça n'existe pas, tu vois. Et bref, c'est pour ça que, je, en vrai, je préfère vous le dire parce que, bah peut-être que, peut que ça va en aider certains, tu vois. Oh, l'autiste, bah ouais, mais... Mais moi, j'y peux rien, je suis en mode, euh, ça parle de contrat, il faut le signer le contrat. <laughs> ah, je vous jure, en vrai, fait, je préfère, préfère en parler parce qu'il y a peut-être des gens qui étaient dans ce cas-là. Je ne sais pas si c'est ça que tu veux dire quand tu dis que c'est fictif. Ah ouais, non, quand je dis que c'est fictif, c'est l'idée que. Euh... En fait, quand je, quand je dis que c'est fictif, c'est l'idée que les, les états, que les, les, la manière dont, dont les états ont été pensés chez Rousseau et chez Hobbes n'ont jamais été mis en place dans le réel et n'ont jamais existé. Ça, ça, ça C'est vraiment des idées. C'est quelque chose de, de très conceptuel. Ça n'a jamais existé. Il y a peut-être eu des choses similaires, mais ça n'a jamais existé. Euh, tu signes pas quand tu t'achètes ton pain, mais tu passes un contrat. Oui, non, mais voilà, t'as compris. Mais oui, oui, t'as raison. Oui, c'est un exercice de pensée, exactement. OK. Comme ça, moi, on est tous, tous d'accord là-dessus. Perso, j'ai signé le contrat social, mais bon, ah, vas-y, allez, faire... <laughs> allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre. Bah, il est con ou quoi, Rousseau so Mais non, mais justement... Mais <laughs> non, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que parce que ça n'a jamais existé et parce que en fait, il y a une potentialité de mettre en place un état... Euh... Un état euh, euh, bien quoi. Et du reste, je me pose une question les gens. C'est euh, Rousseau quand il se fait euh, éjecter de la de la, de la Suisse, c'est bien parce qu'il a écrit le, le discours des, des inégalités. Hein. Est, on est d'accord ou pas? Qui se met, qui doit être en exil? Ou c'est rien à voir? T'as pensé à signer le contrat social pour le stream et les relations parasol Allez vous faire Mais ouais, vous êtes pas cool là. Hein. Vous êtes vraiment euh, anti. Euh... Vous êtes euh... psychophobe. Hein. Parce que je sais que Rousseau, il se fait. Euh... Je connais pas sa vie privée. Parce qu'en fait, il me semble qu'il se fait. Euh... Attendez. Rousseau, exil. En fait, il me semble qu'il doit partir en exil. Et je me demande si c'est pas parce qu'en fait, il avait trop attaqué. Euh... Dans son discours des inégalités, je me demande s'il avait pas trop attaqué une, une instance euh, particulière. Et qu'il a dû partir, justement. Attendez. Euh, exil. Euh. Donc c'est vrai, ouais, c'est En gros, dans, la, dans les rêveries dans euh, d'un promeneur solitaire, c'est là où en fait il vous fait tout un paragraphe en mode euh, "Oui, euh, comment je suis devenu fan des plantes euh, J'ai fait mon premier herbier, etc." Bref, en gros, il est vraiment devenu fan de botanique et je comprends euh, dans son exil. Mais je me demande pourquoi il est parti en exil et je crois que c'est à cause de ça, mais je suis pas sûr. Euh, Est-ce qu'on peut avoir une explication de son exil D'accord, on a aucune explication. C'est bien, c'est pratique ça. Euh, biographie... Bu euh... Cibrité et Tourment. Non, personne. A. Il a dit, ouais, je t'ai vous êtes con, je vais me promener en France. Ouais, c'est un truc comme ça. Euh... Non, mais en fait, je... il me semble qu'il avait attaqué une... une... Attends, 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 je crois que c'est ça. Euh... Ah non, attendez. En 754, l'Académie de Dijon lance un, un autre concours auquel il répond par son discours sur l'origine des fondements de l'égalité parmi les hommes qui achève de le rendre célèbre. Rousseau y défend sa thèse selon laquelle l'homme est naturellement bon et dénonce la justice de la société. L'œuvre suscite comme le premier discours une vive polémique de la part notamment de Voltaire, machin machin. Sans attendre le résultat du concours, il décide de se, de se ressourcer à Genève sans se rendre au passage d'une visite à son ami, OK. Dans le domaine des idées, machin machin, il est fondamentalement croyant. Ah Non donc c'est pas encore là. Non donc c'est pas là. Quand est-ce qu'il se fait virer ah, Mais voilà face aux religions. Je me demande si c'est pas à cause des religions. Attends, je crois que c'est ça. Non, non, non. Oui, je crois que c'est ça. Non, 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 ok. Donc c'est à cause des. Ok, ça à cause des religions. Euh, donc où il revient en Suisse. Le conflit devient politique. Donc là, on est sur un truc sur les religions. Dans les lettres machin, procureur général auprès du petit conseil de Genève, auquel Rousseau réplique euh, par ses lettres de Montaigne, dans lesquelles il prend position en faveur du conseil général, représentant le peuple souverain contre le droit de veto du petit conseil. Les lettres sont publiées en décembre, mais sont brûlées, interdites. Euh, hein, C'est le moment de choi que choisit Voltaire pour publier anonymement le sentiment des citoyens, où il relève publiquement l'abandon des enfants de Rousseau. <laughs> ah le chien! <laughs> Ah ouais! Ils avaient pas de cœur, les les, les influenceurs de l'époque. Ah ouais! Ah, ça fait une vidéo pour dire, euh, pauvre, euh, machin, il a abandonné ses gosses. Bah super! Hein. Après, bon, il a, il a raison, tu vois. Voltaire, le pire. Bah ouais, après, bon. Il a raison. Non, il a pas raison. C'est un coup, coup sous la ceinture de faire ça. Euh, mais. Euh, coup sous la ceinture. Mais après, pareil, bon, Rousseau, immense fils de pute, de pas avoir, euh, avoir abandonné ses enfants. Euh, un un bal au centre. Le pasteur de motier montmolin euh, qui avait accueilli Jean-Jacques lors de son arrivée, cherche alors à l'excommunier avec le soutien de la vénérale classe des confrères de Neuchâtel. Mais Rousseau est protégé par un rescrit de Frédéric II. Non mais wesh, inc... ah, son histoire elle est incroyable. Il passe toutefois pour un séditieux et la population rameutée par Montchalin devient si menaçante que le 10 septembre 1735, Jean-Jacques se réfugie provisoirement dans l'île Saint-Pierre de Lac bienne non, Le pauvre en vrai. D'où le gouvernement bernois l'expulse le 24 octobre. Avant de partir, Jean-Jacques Rousseau confie à son ami de, du Pérou une malle contenant tous les papiers qu'il possédait. Putain, un vrai miskine <coughs> Pardon. Oh, désolé, je vous ai toussé dans le micro. Ok, donc c'est à cause plutôt de... Donc, en fait, il a dû s'exiler à cause de, du fait qu'il a été balancé par, euh, par Voltaire. <laughs> ah, Voltaire, c'est vraiment une merde, quand même J'en reviens pas j'ai pas su pourquoi Bam être trois semaines au Wakistan. Je croyais que c'était lui le Wakistan. Non mais en vrai, euh, ouais, pourquoi je parle de Wakistan en vrai, en vrai euh, Non parce qu'en fait la, la fac dans laquelle je suis, honnêtement, c'est euh, hyper agréable parce que bah, les gens sont vraiment cool. Euh, genre dites-vous, dites-vous euh, dites là dans, le, dans le, la discussion de groupe qu'on a, il y a un gars il a fait une blague hyper hyper graveleuse euh, sur une meuf, tu vois. Et euh, globalement, il s'est fait, fait fumer par le, les gens. En mode, euh, ouais, t'es un peu une merde et tout, fallait pas faire ça, blague sel machin, machin. Et, euh, mais malgré ça, il s'est pas fait euh, cancel bidon, tu vois. En mode, bah non, mais tranquille, t'as fait une erreur, recommence pas, mais fais pas ça, tu vois, genre tranquille. Et en vrai, c'est trop cool, genre, c'est vraiment agréable. Et euh, en plus de ça, voilà, il y a tout le truc sur la Palestine et tout, ils sont hyper. Enfin, euh, en tout cas, il y, y a pas mal de militants, euh, la question palestinienne, la question de jean Ibrahim -Je -Je Abdallah et tout, donc ça, c'est cool. Et en fait, bah, les profs sont. Euh, ah voilà, c'est ce que j'ai expliqué. Euh, premier cours, ça nous parle de Foucault et de Deleuze. Tu vois, du coup ils vais... vont OK, bon, le safe place. <laughs> et ça fait ça fait que citer du Marx, ça fait que citer des, des gens de gauche. Du coup, bah c'est cool quoi, c'est cool. C'est un peu que Voltaire et Rousseau soient enterrés l'un en face de l'autre au Panthéon. <laughs> Allez bâtard, même mort, je vais même mort, je vais te faire chier quoi. J jusque six pieds sous terre, je vais t'emmerder. Le mec qui se rappelle de toutes ces infos, c'est qu'il a vraiment une pathologie. Bah en vrai, moi euh, <laughs> on peut dire que j'ai une pathologie. Hein. Euh, ah oui, je vois, yes, yeah, c'est un peu le ressenti la mif. Ouais, de ouf, c'est ça, c'est vraiment la mif. Et même tu vois, genre euh, honnêtement, il y a ça et en plus dans le groupe dans lequel je suis, c'est vraiment ultra bienveillant, tu vois. Mais genre pas bienveillant, genre pas de manière euh, faustée, tu vois. Dans le sens où vraiment euh, les gens sont vraiment cool, euh, c'est vraiment queer friendly euh... Euh, de... Il enfin, y a des gens qui sont vraiment gays en anglais, bah, personne ne se moque d'eux, il y a des gens qui sont vraiment mauvais en lecture, personne ne se moque d'eux. Enfin, c'est vraiment hyper hyper clean quoi. C est, c est vraiment hyper intéressant. Enfin, les, les gens sont vraiment cool tu vois. Et du coup ça rend le truc vraiment agréable, et es en mode euh, bah, tu passes un bon moment. même si tu vois, genre, moi je disais c'est ce que je vous expliquais, genre je prends pas de plaisir avec tous les trucs écrits, je galère vraiment, j'y arrive pas, c'est vraiment dur et tout. Mais en vrai, euh, bah, vu que tout le reste est bien, bah, ça me permet un peu d'encaisser, de, tu vois. Les gens se foutaient de vos gueules à la fac Bah, moi je sais pas, enfin pas plus que ça, mais tu sais, bah, as un... oui, t'as un peu ce côté où t'as quand même des gens qui harcèlent toi à la fac, tu vois, c'est quand même... Euh, c'est pas toujours parfait, quoi. Euh, moi, j'avais l'ambiance quand à la BXL, j'ai dû défendre un débile du PCF car les féministes bourgeoises voulaient juste lui, par lui parler mal sans expliquer ce qu'elle allait pas dans les propos. Ouais, voilà, c'est ça. Et nous, c'est pas du tout ça, tu vois. Nous, c'est vraiment en mode... Euh... Euh, en mode euh, ça l'a un peu goûmé tu vois, en mode ouais oh, t'as été vraiment con et tout. Et après on a dit après on l'a vraiment dit tout de suite, non mais après tranquille tu vois genre t'as fait une connerie c'est pas grave euh, C'est juste que ce que t'as fait c'était vraiment pas correct d'avoir mis euh, en place public quelqu'un et tout c'est vraiment pas correct Mais après euh, tranquille t'as fait une connerie c'est pas très grave tu vois genre chacun enfin, on avance tous à notre rythme tu vois Donc là, en vrai c'est vraiment vraiment cool Ouais donc du coup pour les gens du Nord je vous conseille euh, euh, la bouquinerie du SAR et en fait en philosophie il y a pas mal de enfin moi du coup je récupère tous mes livres de philo là-bas et en fait c'est pas cher et ça permet d'avoir pas mal d'infos et ça permet de pouvoir griffoyer, enfin griffonner pour euh, aller euh, pour dépasser les livres de... Les livres de... <coughs> de la bibliothèque. Donc euh, non, c'est assez cool. Donc, pour les nordistes, je vous conseille la bouquinerie du Sar. Et c'est moins cher que recycle livre. Euh, là, dites-vous tous les flammarions. Donc là c'est un peu... C'est à 2,40€, 3€, euros, mais euh, tu peux les trouver à... Euh, genre t'attends qu'il y, qu y ait une promotion. Et tu peux les trouver à... Euh, genre, j'ai eu plein de livres à 1,90€. Je me suis acheté euh, plein, enfin une dizaine de livres à 1,90€, quoi. Donc, c'est vraiment pratique. Euh, des fois, il y a des moqueries qui peuvent être reloues à la limite du harcèlement quand c'est pas consenti Bah oui, voilà, c'est exactement ça, Darren. Et tu vois, non, mais un truc tout con. Genre, par exemple, le fait que, il y a des gens, ils sont vraiment mauvais en anglais, tu vois. Ils le savent et tout. Et, genre, personne s'est moqué d'eux, tu vois. En mode. Ils lisent, ils ont un accent déplorable et tout. Et genre, il n'y a aucune moquerie, tu vois. Et c'est vraiment agréable parce que du coup, bah les gens, ils, ils y vont, ils se plantent ou c'est pas bien, machin. On dit des bêtises et tout. Et vraiment, personne se moque. Et ça rend le truc. Alors que, tu vois, à l'inverse, dans l'autre groupe, ils sont un peu plus moqueurs et tu sens que ça... Tu vois, ça, ça, ça c'est un peu dommage, quoi. Alors que là, c'est vraiment pas... Enfin, dans, dans mon groupe, c'est vraiment agréable. Je crois que j'ai fait fortune grâce aux étudiants en philosophie. Bah après, en vrai... Franchement, la maison d'édition, elle est vraiment, vraiment clean, quoi. Et même et du reste, euh, rhizomatique m'avait conseillé euh, ce, ce truc-là. Alors, je sais pas si t'es dans le chat, tu peux me redire. C'est des, en fait, euh, Flammarion, ils ont fait des des bouquins de philo sur des thèmes particuliers. Euh, Flammarion euh, thème philosophie. Et en fait, euh, Rhizom, il m'avait conseillé ça justement. Euh... En, en... Je crois que c'est ça, la, les séries. Non, c'est pas ça. Mais en, en gros, il euh, y a une. Euh, euh, Flammarion, ils ont vraiment ce, ce, des petites anthologies. Ouais, c'est peut-être ça Je sais plus. Et en fait, c'est trop bien parce que du coup, bah, vraiment sur l'idée de nature, bah, ils vont avoir tout un corpus sur l'idée de nature, l'idée de nature au, au fil du temps, euh, l'évolution, qu'est-ce qui a été dit, machin. Et du coup, c'est trop, trop pratique parce que bah, ça permet d'avancer sur des sujets euh, ou des thèmes euh, que, tu, que tu peux peut-être euh, être un peu euh, bancal, quoi. Et non, franchement, ils sont, sont vraiment, vraiment bien. <coughs> Un peu la mode des que ça. Mais il faudrait que je vous trouve. Attendez, on va, on va essayer de vous trouver le, le truc. Euh, comment je peux vous retrouver ça Attendez, je l'ai peut-être. Je, je l'ai peut dû l'enregistrer quelque part. Donc, normalement, c'est soit lire, soit philosophie. Donc attendez, je, je dois l'avoir de mon côté. Merde, je l'ai pas Diderot pour connaître Kant. Merde, je les ai pas enregistrés, ça va tout. où euh, Merde, je les ai pas enregistrés, Fait chier. Bon c'est pas si je vous le retrouve, je vous le partagerai. Et peut-être Non, c'est pas ça non plus. Bon je sais pas où je les ai mis. Mais euh. Pensez à, 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 à Anas Ar 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 Archive et les études. Ouais ouais pareil. Anas Ar Ar Archive, ça c'est vraiment... Bah moi je passe que par là. En vrai, je passe vraiment que par là. Personne de prof nous faisait le lien Bilibgen li archive au début de l'année. Bah nous on a accès. Euh, alors nous les profs nous le font pas, mais ils nous envoient les PDF donc c'est tranquille quoi. Euh, quand tu dis quand, euh, j'ai la voix de AG qui me sur ma tête. <laughs> mais ouais, Anas Archive les gens c'est vraiment euh, bien. Et en fait vu que ça regroupe Z librairie, ça permet de trouver. Genre là en ce moment j'ai par exemple je suis en train de lire euh, Foucault euh, Courage à la vérité. Et en fait il y, un... y a un livre qui a été fait par, euh... je crois que c'est celui-ci. Ouais et en fait c'est assez pratique et du vrai... ah, tiens les gens je vous conseille cette autrice euh... Julie Revel je crois que c'est ça hein. Julie Revel sur Foucault elle est ultra basée genre euh... enfin en tout cas je la trouve trop 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 intéressante euh... je crois que c'est ça hein. c'est Julie Revel je crois que c'est ça hein. Foucault elle est trop 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 intéressante elle explique trop bien attends mais ah, j'arrive pas à vous trouver le nom attendez je vais essayer attendez je vais essayer de <laughs> De la vérité, euh, Frédéric Gros. Et normalement, on va avoir accès au. Ah, ça, c'est Judith Revel. Euh, c'est ça, c'est Judith Revel. Judith Revel. Elle est trop, trop. Enfin, je la trouve trop intéressante. Ouais, voilà, elle. Judith Revelle. Elle est trop, trop, trop intéressante. Ah, elle est, Fran... elle est italienne Italianiste. Ah non <laughs> Oh la fatigue, italienisme. Mais bref, et, euh, et du coup elle a beaucoup bossé chez Foucault, et elle l'explique ultra bien, et elle est trop trop intéressante. Ah putain, elle a bossé aussi sur euh, Tony Negri et les opéraïs okay. Oh let's go, faut que je me la mette de cause elle. Trop trop intéressante. Et franchement, je vous la conseille, euh, hyper accessible. Et en fait, elle, euh, elle explique vraiment bien Foucault. Et, euh, et du coup, euh, voilà je, ça a été ma belle découverte là. Je, je l'ai découverte récemment, et je suis très très content. Oh, bah. Fou... Ah oui, non, j'allais dire euh, fou... okay, Foucault, la lecture. Mais français, du coup. Oui, oui, oui une elle est française, elle est française, elle est française, et, euh... et elle écrit en français, et, euh... et en fait, elle. Euh... Enfin, en tout cas, moi, je la trouve hyper accessible. Un livre à conseiller spécifiquement euh... Bah. Pff... Non, pas spécifiquement. Je... Moi, je sais que j'utilise, du coup, les. Alors, en fait, elle a écrit des... des vocabulaires, elle a écrit des espèces de dictionnaires de Foucault, du coup, ça, c'est intéressant là-dessus. Euh, après, j'ai pas de livre plus que ça à préciser, parce que je l'ai pas encore lu. Un, encore lu donc, euh... mais j'ai lu ça, la Dictionnaire de Foucault. J'ai lu pas mal de trucs. Elle l'explique vraiment bien. Euh, mais euh... non, j'ai pas de trucs précis à, à conseiller. Euh, attendez, par contre, ça me, ça me perturbe. J'aimerais bien vous retrouver les trucs de Flammarion là. Euh, comment je peux vous Non, n'y a pas. Euh... Si je mets une nature Flammarion, peut-être qu'on va trouver. En fait, c'est vraiment une collection. Pardon, c'est la femme d'Antonio Negris qui vient de Ah, c'est sa femme Ok Ok. Ah oui, donc elle est la femme, exacte. Il vient de décéder donc euh... Ok d'accord C'est GF Corpus, merci beaucoup D'accord ok, bah en tout cas trop trop intéressante et j'ai hâte de la de découvrir parce que même bah, c'est vrai que Negri, même tu m'as envoyé un texte de Negri, euh, faut, faut que je le lise absolument Voilà c'est cette collection, merci beaucoup Euh très... Voilà c'est cette collection donc pour ceux que ça intéresse euh... Foucault une pensée du discontinu... Ah vas-y je vais, je vais lire ça mais trop 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 intéressant. Ah, mais ça, c'est l'article euh, qu'elle a écrit dans. Ah non, c'est son livre, ok, okay. Un bugger ok. Mais elle est vraiment trop trop forte. Et franchement, euh, je vous la conseille. Et du coup, bah, vous pouvez lire. Pour ceux que ça intéresse, je vous mets le lien. Euh, ce lien-là, donc c'est Courage à la vérité. Et elle, fait un... elle a fait un article justement su... qui, qui euh, synthétise un peu le cours que je vous ai expliqué au début du stream. Et il est super bien écrit, il est hyper accessible. Euh, du coup, euh, voilà, allez lire. Euh, a... En fait, elle a fait un article dans ce livre-là. Allez-y, c'est vraiment vraiment agréable. Et euh, du coup voilà, c'est ça que je voulais vous évoquer, donc c'est euh, Flammarion, donc la collection Corpus, merci beaucoup Trèf tu gères, merci infiniment, et du coup merci à Rhizome qui me l'avait fait découvrir, et en fait ça, même ça, faut que je vois pour essayer de me les trouver euh, pas cher, parce qu'en fait c'est trop trop intéressant, parce que du coup voilà, vous avez la technique, euh, l'amour, le style, la fiction, et en fait ça permet vraiment d'avoir une espèce de, d'un point de départ, <coughs> ça permet d'avoir un point de départ pour après... Euh... Un peu voir euh, qui dit quoi, dans quel moment, dans quel contexte, etc. Donc c'est trop, 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 trop intéressant. Euh, et donc, ça, j'ai même hâte de les. Tu vois, la nature, j'ai trop hâte de me l'acheter parce que bah, c'est des, des thèmes que j'évoque souvent. Et de voir aussi un peu les limites, aussi les nouveautés. Parce que la nature, maintenant, il y a pas mal de nouveautés, mais euh, trop, trop cool. Euh, ensuite. En vrai, on a commencé à avoir plein de trucs. Hein. Euh, bref. Est-ce que vous avez des questions En vrai, est-ce qu'il y, euh, y en a qui ont des questions ou pas sur, euh, sur, Même sur des trucs un peu de philo ou si je peux aider. Après, là, moi, je reste nous, ben, je suis en tout début hein, de processus. Mais c'est vrai que, et, par contre, les gens, en vrai de vrai, euh, la fac, euh, c'est bien, franchement. Euh, J'y étais déjà, hein, j'avais déjà été. Mais euh, les gens qui les gens qui critiquent et tout, euh, en vrai, on apprend vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Et c'est même, je trouve que c'est même, bon, euh, avoir un bagage. Hein. En, en licence, ouais, j'ai repris la licence. Euh, bah, je suis en toute première année de licence. Et, euh, et en vrai, faut avoir. Enfin, je trouve que c'est ça carbure, quoi. Ça carbure et que euh, ça charbonne bien. Et que si tu te laisses un peu aller, tu peux vite te faire euh, dépasser. Donc, en vrai, euh, non, je suis étonné. Je suis agréablement surpris à quel point c'est bien. Euh, je viens de découvrir un mémoire sorti l'année dernière qui va m'aider de ouf pour le mien. Ah, bah, voilà, let's go. Trop cool. Trop content pour toi. Voilà, donc si vous avez des, des questions, n'hésitez pas. Euh... Parce qu'en fait là j'ai un peu fait le tour. Euh, je voulais vous évoquer du coup euh, ce truc là qui est vraiment bien. Enfin ce livre-là... Enfin, qui est vraiment bien. Non qui est pas vraiment bien, mais qui est, qui est assez intéressant. Qui a pas mal de limites, mais qui est assez cool. Après qui est un peu chiant à lire sur certains passages. Il y a, il y a des moments, en fait, vu qu'il utilise beaucoup les œuvres d'art, bah, dès que t'as pas vu l'œuvre, bah du coup ça peut être vite un peu dur à reconceptualiser et t'es un peu perdu. Dès que tu connais l'œuvre, c'est un peu plus simple à lire. Mais euh, la thèse générale de fabuler la fin du monde est vraiment cool. Ça, ça permet un peu de sortir de l'enfermement de la fin du monde et des, des visions. Alors du coup, j'ai appris un terme, des visions eschatologiques, qui en gros le terme pour dire la fin du monde, quoi. Les pensées de la fin du monde, Eschatologique, Je savais pas. Euh... Et en vrai c'est super intéressant, et c'est justement euh, la dernière fois quand je vous ai évoqué Zom, euh, le Zom Bucket List of the Dead, qui revient justement sur ce côté un peu désir de fin du monde, etc., ça s'ancre dans cette idée de dépasser l'idée de la fin du monde, et en gros en fait il ne fait que citer des livres et des, et des films, etc., où on connaît la fin du monde, mais on, on vit avec et on développe plutôt la côté. Et c'est vraiment intéressant. Et là-dessus, pareil, du coup, moi, avec les références que je peux vous rajouter, je vous conseille euh, Carole et la fin du monde, qui, justement, euh, appuie un peu ça, et qui est, qui est super intéressant. Sur l'angle et qui ont été pris, par exemple, c'est trop, trop, trop intéressant. Je pense pas que ça va plaire à tout le monde. Je pense pas que ça va plaire à tout le monde, parce que, justement, c'est une vision très... Euh, Normie, c'est vraiment euh, euh, pauvre. Tu es la normie, euh, un peu autiste, euh, qui aime bien la routine. Et euh, tu sais qu'il y a la fin du monde. Qu'est-ce que tu vas faire Et c'est une vision un peu, bah, presque. Bah, je vais pas dire unique, mais assez euh, peu, je trouve, développée. Après, j'ai peut-être pas une énorme culture non plus, hein, mais je trouve que c'est assez peu développé comme vision de fin du monde. <coughs> <coughs> Et du coup, je trouve, trouve l'idée hyper intéressante. Et appuyez avec, du coup, à côté, The uh, Bucket Leaf of the Dead sur le côté, à l'inverse, le désir de la fin du monde, qui était assez intéressant aussi. Et, euh... et du coup, ouais, c'est un peu les deux œuvres qui m'ont fait un peu euh, vouloir lire ce livre. Et en fait, ce livre, je l'ai découvert comment... Euh, pareil, ça, je pense que ça peut vous intéresser. Je l'ai découvert sur... Euh, sur Blast 2. Et c'est pas une blague. <laughs> <laughs> je l'ai découvert sur Blast 2, euh, sur la vidéo avec euh, le mec qui fait planète B. Euh, et alors franchement je vous le conseille. Alors Planète, planète B c'est pas forcément... Enfin comment dire Planète B c'est hyper intéressant, mais des fois ça, peut, ça fait un peu euh, liste de lecture et c'est un peu chiant. Mais il y a quand même des thèmes qui sont évoqués qui sont vraiment cool. Et euh, moi franchement c'est une émission que j'aime beaucoup et je trouve ça vraiment bien qu'ils aient fait ça et j'apprécie vraiment donc après je vais pas aller plus loin parce que je trouve ça vraiment vraiment bien et du coup il y avait ce, cette vidéo où, où du coup le mec se réactait et, et rapportait des informations et en fait il a cité plusieurs fois ce livre euh, comme support justement voilà, voilà, hop, comme vous pouvez le voir là comme support Et euh, en fait ça m'a donné envie de le lire Et c'est vrai que c'était un livre qui était assez intéressant Pour voir une autre manière de voir la fin du monde Donc c'était vraiment super super cool Et, euh, et, et j'aime beaucoup Et du reste hein, vous savez que hyper intéressant La dernière fois j'étais en TPLE anglais Et euh, du coup TPLE anglais pardon ça, vous, je, je vous dis ça comme si vous savez TPLE anglais c'est pas l'anglais en fait TPLE anglais c'est l'étude des textes anglais Enfin en anglais Donc ça c'est TPLE anglais c'est l'étude des textes en anglais Et anglais c'est la matière anglais Bref peu importe Et euh, du coup, j'étais en TP anglais et en fait, le prof, il parlait du coup de science-fiction machin et il dit Sarah Le Guin et moi, je suis en mode bon, ça me dit rien, je sais pas qui c'est Sarah Le Guin. <laughs> et en fait, euh, bon, <laughs> voilà quoi, l'accent français quoi. Et en fait, il parlait de Sarah Le Guin et qui en gros est une bah, une des plus grandes écrivaines de science-fiction américaine, quoi, états-unienne, pardon. Euh, je crois que c'est ça, c'est Le Guin. Comment on appelle non, le gain. Bref, je sais pas comment on appelle ça. Euh... Sarah. Sarah, le... Je sais pas comment on dit. Le gwin, le gain. Bref, je sais pas comment. Bref, peu importe. Je sais pas comment on l'écrit. Ah oui, Ursula. Ah oh, putain, oh, oh, c'est... Ah, oh, j'arrive pas. Merci, c'est Ursula. Ah, J'ai <laughs> besoin de vous les gens. Ursula, le... Voilà, le gain. Enfin, merci beaucoup euh, à Métis. Ah, heureusement qu'il y en a qui suivent. Et du coup, il dit, euh, mais vous savez euh, l'autrice là, Ursula Le Guin et tout. Tu sais, je suis en mode, euh, bah non, je connais pas, tu vois. Et en fait, bah si je connaissais, mais moi bah, je connaissais euh, l'autre, <laughs> Ursula Le Guin. Et en fait, c'est vrai qu'elle est hyper connue. Elle a écrit sur plein de thèmes et enfin, euh, c'est vraiment euh, une meuf ultra ultra connue de science-fiction états-unienne, euh, hyper hyper balaise. Et euh, du coup, euh, voilà, car, regardez la liste des récompenses qu'elle a eues. Enfin, c'est c'est vraiment une folie, quoi. Tout le monde dit le Gouin, non Le Gouin Genre, Les gens, j'en ai aucune idée. Je, je, je ne sais pas du tout. Moi, je dis Ursula Le Guin. Voilà, comme ça, sachez que je le dis comme ça. Et que j'ai toujours entendu dire comme ça. Et du coup, bah, je ne le savais pas. Euh, et bref, du coup, ça m'a fait rigoler. Mais en tout cas, voilà, je, je vous conseille ce. <coughs> je vous, pardon. <coughs> je vous mets le lien pour ceux que ça intéresse. L'émission le, 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 était vraiment intéressante. Et moi, j'aime beaucoup euh, toute la, la connexion euh, littérature-pop-culture-philosophie. C'est vraiment trop, 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 trop intéressant. Et, euh, et pareil, il y, y a un livre... Euh, merci, mais... salut à toi, Henne. Euh, ah, merci beaucoup. Eh, les gens, mais en vrai, vous savez que ça me fait plaisir Ah oui, parce que du coup, attendez, il y a peut-être des nouveaux qui sont venus euh, aujourd'hui. Enfin, qui viennent d'arriver. Sachez, les gens, <laughs> que j'ai fait un exposé ce matin. Et qu'en revenant en cours euh, ce midi... Euh, 3-4 personnes m'ont félicité en me disant c'était trop bien ton exposé, c'était trop trop cool. Et il y a même un gars qui m'a dit En fait, t'es vraiment euh, un bon prof. <laughs> voilà, donc sachez que euh, le, mon devenir Unizuka, euh, même en L1, il est déjà en train de se mettre en place. Mais non, mais ça me fait rire, à chaque fois je me retrouve en L1 et c'est moi qui, qui, aide, euh, qui aide les élèves, alors que je suis euh, tout aussi nul que euh, mais j'ai un peu plus de bagages quoi. <laughs> Bref. Euh, après, t'es l'ancien... Ah non, mais les gens... Ah ouais, putain, ouais, on... <laughs> Dans le groupe, là, à un moment, il y a quelqu'un qui pose une question, je réponds, et il y a un bout qui répond quoi Et en vrai, et je lui... au début, j'étais un peu en mode ⁇ Ah, petit bâtard ⁇ Il y a un mec qui m'a répondu ⁇ Bien vu l'ancien <laughs> ⁇ En vrai, de vrai, quand tu te le prends la première fois dans la poire, ça c'est pas drôle. Hein. <laughs> Franchement, c'est pas drôle. Hein. Genre, après, <laughs> tranquille, tu vois, j'accepte. J'accepte, mais elle est dure à accepter. Genre c'est la première fois que tu te la prends, elle est quand même en mode. Ouah wow, c'est dur, tu vois. Et pareil, genre méthodo, le prof qui fait un peu une blague en mode. <laughs> j'ai deux ans de moins que toi. Oh, ok. Ah mais je vois, je vois. Ok, j'ai compris. Ça vous amuse il Y a pas de soucis moi. Je... On, on peut rigoler, hein Mais voilà, Cal calme hein. en vrai, vrai c'est cool, c'est cool. Et ton cœur est semi fermé. Semi fermé. Comment ça non mais en vrai c'est cool parce que il y, y a ce côté hein, en vrai c'est pas c'est pas du tout du manque de respect quoi c'est vraiment agréable c'est pas Pardon, ou alors ou alors si c'est du manque de respect je le vois pas et vaut mieux pas que je le vois <laughs> bref euh, donc voilà euh, ah si il y a dans cet article là il y avait un truc qui m'a qui était intéressant je vous conseille vraiment cet article qui est vraiment cool Marc et l'histoire de la nature pourquoi euh, parce qu'à un moment il y a un petit passage qui m'a assez intéressé sur euh, C'était quoi déjà Retour Il euh, y a un passage qui m'a vraiment intéressé. J'espère que c'est dans cet article-là. Hein. Euh, Vieux mais gros cerveau. Ouais bah il faut me dire un truc pratique. Hein. Là, mais en vrai, honnêtement ça m'a fait plaisir de me dire ok. Euh, la... Attendez je crois que c'est pas cet article-là. Cet article en fait ça m'a fait plaisir de me dire ok la... le... le stream m'a pas servi à rien. Parce qu'en fait j'avais un peu ce côté de me dire putain le stream euh, ça, ça, ça sert à rien je perds du temps et tout Et en fait non pas du tout Si c'est bien cet article là Alors attendez Je vais vous retrouver les citations J'ai trouvé ça hyper intéressant Et du coup je me dis que ça peut peut-être vous servir euh, Donc je vais vous lire ce, ce, ces deux passages là de l'article Du coup l'histoire de Marx sur la nature Qui moi m'ont fait un peu euh, bah, cet effet là justement Je sais pas si vous avez cet effet là quand vous lisez des trucs Mais un peu ce truc en mode waouh, Ah ouais mais il est trop fort cette cet hauteur, tu vois. Et en fait, ça m'a un peu fait cet effet-là. Du coup, je vous lis parce que je trouve ça important et intéressant. Ce faisant, Marx s'inscrit en fait dans la préhistoire des sensibilités. Et même dans l'histoire des, sensib des sensibilités environnementales, si on admet que le sens en question sont des interfaces avec l'environnement. Tout l'intérêt du concept d'aliénation dans ce concept est de pouvoir décrire non seulement différentes organisations sensorielles, mais des organisations sensorielles plus ou moins développées, plus ou moins riches, plus ou moins épanouies ou plus ou moins raffinées. Alors voilà, c'est trop intéressant parce que du coup il y a cette notion de l'aliénation se retrouve aussi dans notre ressenti à notre environnement. Bref, d'articuler une approche descriptive ou analytique de l'histoire des appareils sensoriels et une approche normative ou politique des organisations sensorielles plus ou moins désirables. Et là, vous allez voir, toute la connexion, elle est incroyable. Or, on peut se demander si, au-delà d'une éducation esthétique aux accents chilériens, je ne sais pas trop ce que c'est ça, la, rev la revendication d'un enrichissement des sens et d'un monde plus différencié possède réellement une portée sociopolitique précise. Et en gros, là, ce qu'il veut dire par là, c'est, vous savez, toute cette notion de Il faut le retour à la nature, il faut se reconnecter à la nature Merci, si c'est un auteur, ok, merci beaucoup euh, Toute cette idée de, il faut se reconnecter à nos sens euh, euh, Et moi, c'est un peu la, la, la critique que je, re, je suis en train de revenir Merci beaucoup, Kilucru, pour la bonne, le, le raid, j'espère que tu es bien assez vous bien, les gens euh, Vous savez, et moi, il y a un peu ce, ce truc que je, je suis en train un peu de sortir de ce côté euh, on, on idéalise un petit peu trop la nature, l'environnement, la forêt, et, on, et à l'inverse, on, on attaque un peu trop les bâtiments, le bitume et tout. Et en fait, finalement, est-ce que tout ça n'est pas aussi construction politique et sociopolitique et une forme elle-même d'aliénation Et là-dessus, on avait parlé de euh, Vivaldou, qui est un, un penseur de la forêt et qui avait euh, évoqué ce terme-là. Euh, Vivaldou. Je vais vous mettre le passage pour que vous compreniez un peu. Oh putain, mais ça, je crois que j'ai encore dit une autre chose. Je, me suis, je crois que je me suis trompé de. D'auteur, bon, c'est pas grave. Euh, je vais vous mettre le passage, justement euh, euh, précis, qui permet un peu de mettre en image le... ce que je veux vous dire par là. Ah, vous avez, vous avez pas le son. Euh, mais y, y, ça permet un peu d'aller de... plus loin sur cette vision qu'on peut avoir, malheureusement, de penser la nature comme un espèce de monobloc. Qui nous rendrait nos sens. Et vous allez voir après la suite de l'article, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. On peut se balader dans une forêt magnifique, euh, une forêt euh, réhabilitée comme ici, mais néanmoins on est aussi seul que dans son appartement euh, face à une série Netflix. Je ne vois pas trop la différence entre un équipement euh, personnalisé euh, qui est lié à toute l'infrastructure du web et un autre équipement qui est ici, un équipement de nature, où cette forêt qui a été plantée à la fin du 19e. Voilà, je ne vois pas la différence d'aliénation en fait. Si on s'y rapporte pas d'une autre manière, justement en faisant revivre le passé, en essayant de trouver les traces, en essayant d'être plus présent à soi-même. Donc, on a aménagé la nature pour que le visiteur s'y sente comme dans un musée finalement. Et donc, il y a une coupure réelle entre toi, ton corps et l'espace, le paysage, qui est une construction culturelle en fait. Quand on prenait les images ici tout à l'heure. Et comme je disais presque par boutade, je fais semblant d'admirer le paysage. En fait, on est mis dans cette position-là de faire semblant d'admirer le paysage. On peut apprécier ce que la nature nous propose, mais on sait très bien qu'on a été formaté à apprécier des paysages exceptionnels. Et donc l'UNESCO, les parcs nationaux, etc., travaillent sur cet imaginaire-là. Ouais, donc du coup, c'est le, le, le passage qui veut expliquer. Euh, bah, en vrai, vous quoi Je vais vous finir, le, le, on va finir le, le passage. Mais en vrai, ce, ce passage-là m'avait vraiment marqué. Et en plus, la lecture de l'article, ça a été les deux ensemble. Là, Parce que vous allez voir, la suite de l'article, il est vraiment ultra précis. Je pense pas que les habitants de Chaudun, quand ils parlaient des alpages, quand ils parlaient des murs en pierre sèche, quand ils parlaient de ce qu'il y avait à faire aujourd'hui, des travaux des champs ou des travaux ménagers. Et qui parlait de nature. Ils disaient pas "Nous allons nous balader dans la nature." Les traces ne sont pas écrites. D'ailleurs, la mémoire des habitants a été largement effacée. Il y a très peu de traces de ce qu'ils ont vécu. C'est à nous ici, en marchant, en regardant, en étant à l'écoute de ce qui se passe, et même à l'écoute de ce qui est invisible de retrouver ces traces même minimes et de, de, de tirer le fil en fait de la mémoire des lieux la mémoire des habitants mais aussi la mémoire des lieux et donc euh, de prêter attention même de, de prendre soin de ce qui nous entoure là aujourd'hui dans ces restes de villages dans ces ruines et que peut-être à partir des ruines de ceux qui ont été vaincus et des esprits qui vivent encore là peut-être de trouver des traces et de partir de là et de ressortir peut-être grandit en tout cas dans notre perception du monde Donc ça vous avez un peu la vision globale de ce que lui peut penser alors je crois malheureusement qu'il a arrêté la philosophie et qu'il est vraiment maintenant full euh, full euh... On peu mais pourquoi ça eh non, pardon. qu'est-ce qu'il <laughs> Attendez fait c'était quoi ce euh, pour ceux qui veulent la, la, le lien du le lien du du documentaire sur lequel c'est tiré parce que c'est un docu qui est vraiment intéressant qui revient sur un village assez précis euh, hop, qui s'appelle Chaudin, les désertés de la nature. Et en fait, c'est comment euh, l'état euh, s'est approprié un village complet et en fait a expulsé les gens de ce village en France. Et du coup, c'est assez intéressant parce que c'est peu, euh, peu mis en avant. Et euh, au cas où s'il n'est plus sur Arte, il euh, y a euh, une chaîne. Euh, voilà, je ne sais pas qui c'est, cette chaîne, euh, quelqu'un qui a décidé de mettre des documentaires euh, Arte euh, sur, euh, sur cette euh, plateforme assez bizarre. Voilà, donc, euh, bon. Je ne sais pas qui est cette personne. Euh, mais en tout cas, c'est assez pratique. Il y a pas mal de documentaires euh, Arte qui, des fois, euh, malheureusement, ne se retrouvent plus euh, sur YouTube. Et on peut les retrouver sur ce truc-là. C'est quand même ouf. Hein. Franchement, euh, merci. Hein. <laughs> merci à cette personne qui fait ça. Euh, c'est voilà. Euh, <laughs> Bref, pardon. Euh, et du coup, la suite, c'est ça. Donc, Écoutez bien le, la, la suite de l'argument qui est vraiment, vraiment intéressant. Certes, on a pu affirmer que la modernité se caractérisait par une crise de la sensibilité à la nature au sens d'une incapacité à percevoir et à identifier les êtres naturels qui nous entourent. Et qu'un enrichissement de nos perceptes serait ainsi un moyen efficace pour lutter contre une amnésie environnementale généralisée. Donc ça c'est un peu tout l'argument des Cyril Dion, euh, il faut changer l'imaginaire, etc. mais moi je suis un peu dans, cette, dans ce truc là, en disant euh, c'est en changeant l'imaginaire qu'on va pouvoir améliorer. Il faut reconnecter avec nos sens, il faut qu'on arrive à, 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 à repercevoir le, les, 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 les choses, euh, la beauté entre guillemets euh, matérielle de, des, 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 des plantes, des végétaux, des animaux, etc. etc., etc. Pourtant, si on, on suit jusqu'au bout l'idée selon laquelle l'histoire des sens est dépendante de l'histoire de l'organisation sociale, et que la division du travail social s'accompagne d'une division du travail perceptif, il n'y a aucune raison d'affirmer qu'un enrichissement ou un affinement de la sensibilité soit par nature désirable. Pour que prospère l'industrie du vin ou du soja, il a fallu développer chez les consommateurs et les consommatrices une capacité à identifier un soja élevé en fût de cèdre et un vin particulièrement tannique. Et la capacité à distinguer des paillettes d'or du sable noir est un prérequis à la formation des orpailleurs et corrélativement à l'exploitation industrielle des minerais d'or. On peut donc comprendre le plein développement des sensibilités comme une manière d'utiliser tous les aspects de la nature, c'est-à-dire dans un sens très utilitariste voire extractiviste. Et ça, les gens, je vous jure, ça va matrixer, parce qu'en fait, du coup, bah en fait, même ce discours, et c'est là où on en revient à Fisher, le Fisher, le réalisme capitalisme, même le discours de se réadapter à nos sens, etc., bah, peut être manipulé pour, bah, très bien, tu sais euh, maintenant gérer et trouver des, des, inf... enfin, des, des choses particulières. Bah, tu vas t'en servir pour euh, devenir euh, et, et produire de la valeur, et de la, produire de la survaleur et de la richesse. Et du coup, tu vas en redevenir extractiviste. Alors en vrai, de vrai, là où on peut un peu attaquer l'argument, c'est de se dire, en fait, la, la question des sens, c'est que oui, si tu aiguises tes sens dans, un, dans une idée libérale, euh, une idée euh, euh, productiviste, etc., oui, on ne sort pas du problème. Mais si tu aiguises tes sens dans, un, dans une logique matérialiste, anti-extractiviste, logiquement, tu es quand même censé, justement, émerger une autre truc. Donc là où je serais un peu plus nuancé sur leur critique, leur, leur point d'approche, c'est de se dire euh, d'où on part, en fait. Mais je trouve que ça a été vraiment intéressant et hyper important pour moi de comprendre que, oui, en effet, c'est vrai que les sens ne sont pas moins développés, ils sont juste développés différemment et dans une logique de marché, en fait. Donc c'est hyper hyper intéressant. Voilà, donc, du coup moi ça m'a un peu aidé. Euh, ça me paraît un peu idiot dit comme ça, mais des fois voilà il y a des pensées qui paraissent un peu idiotes et qui finalement euh, bah font pouf et euh, ça fait des cho des chocs à quoi. Donc c'est vraiment trop trop cool. Du coup je vous conseille cet article assez rapide à lire. Et euh, surtout qu'en ce moment il y a euh, c'est vrai que c'est rhizomatique. Il, il en parle encore la dernière fois. Il y a un peu cette vision éco-moderniste euh, qui est en train de surgir plus ou moins. Euh... Non, c'est éco-moderniste, productiviste, je ne sais plus trop si c'est ça. Mais en, en gros, là, il y a un peu une, une vision de l'écologie qui est en train de se mettre vraiment très en avant. Euh, donc l'idée un peu éco-moderne de on, on peut plus ou moins garder une production, on peut plus ou moins garder euh, euh, cette idée de euh, il faut produire, etc. Et en fait, on est en train de euh, un peu s'enfermer euh, dans cette logique extractiviste, justement. Et moi, je pense qu'il faut absolument sortir de ça avec une décroissance euh, radicale. Et, euh, et du coup, je trouve ça intéressant de, de voir justement, malheureusement, qu'on est en train un peu de développer tout ça et qu'il faut réussir à, à aller euh, au-delà. Ah putain, mais si, j'ai lu ça aussi. Ah en vrai, si, c'est vrai que j'ai lu des trucs intéressants. J'ai lu des trucs intéressants, donc je voulais vous les partager. Euh, ça aussi, c'était cool. Euh... Ouais, c'est vrai que j'ai lu des trucs cool, en vrai. Finalement, une monoculture intensive, c'est de l'extractivisme et de la fertilité du sol. Oui, exactement, c'est ça. Une pratique plus forte serait plus éloignée de l'extractivisme, à mon sens, alors qu'elle demande une plus grande finesse-conscience de la vie des sols. Euh, oui, mais attention, et c'est là toute la nuance c'est que une plus grande connaissance finesse du sol, euh, mise en pratique pour un extractivisme, par exemple, capitaliste, en fait, tu, tu peux tout aussi bien. Euh, utiliser toute la, la connaissance des bourguignons. Donc, les bourguignons, c'est vraiment ceux qui ont mis en avant la, le fait que dans les sols il y a toute un, 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 une infrastructure et compagnie. Enfin bref, qu'il a un vrai, euh, un vrai outil euh, dans, le, dans les sols. Euh, en fait, tu peux utiliser leur pensée euh, pour euh, euh, ouais, ces gens-là. Tu peux utiliser leur pensée euh, pour en fait euh, trouver un moyen de faire de la survaleur et euh, tu auras juste réduit. La, 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 la pauvreté du sol mais tu vois ce que je veux dire c'est dans le sens où euh, voilà pour être productif c'est faire de la thune en fait c'est ça en fait tu peux utiliser leur pensée pour diminuer la perte du sol et en fait en devenir en gros encore un meilleur capitaliste en mode ah bah ouais ils ont raison les bourguignons il faut qu'on préserve notre sol du coup on va articuler une, un extractivisme mais qui préserve le sol pour encore étaler sur la durée la protection du sol pour encore produire plus c'est pour ça qu'il faut faire super attention. C'est que et, et c'est pour ça que la, la notion de réalisme capitalisme de Mark Fisher, elle est hyper importante. C'est de se dire toujours attention. La, le réalisme capitalisme est toujours présent. Il va être toujours là, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et même avec les meilleurs des bagages, si on n'a pas des, des espèces de, de de vision à long terme, donc anti-extractiviste, anti-productiviste, etc., on va toujours répéter les mêmes erreurs. Et non pas parce qu'on est bête, mais parce qu'on vit dans une structure capitaliste, néolibéraliste, et que cette perpétuelle transformation et métamorphose du néolibéralisme se fait même dans les techniques. Et en fait, il y, y a ce côté accaparement de l'amélioration des techniques, elle existe depuis toujours. Et malheureusement, bah, ça, ça va nous coûter cher. Quoi. Et, et c'est vrai que, et tu vois, par exemple, bah, l'argument pour ça, c'est l'argument justement à la store pour contrer ça, c'est le, le couvert végétal. Le couvert végétal, c'est une méthode d'agriculture qui, en gros, euh, permet en fait de faire de la monoculture avec un couvert végétal. Donc, du coup, tu appauvris quasiment pas ton sol. Donc, tu peux faire des quantités énormes d de, 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 de blé, par exemple, et ne pas appauvrir ton sol. Mais du coup, tu es toujours dans une logique productiviste, etc. Alors, certes, tu utilises moins de pesticides, tu utilises moins de, tu, tu préserves ton sol, etc. Donc, tu es quasiment dans le truc parfait. Mais pourtant tu nourris un système capitaliste. Et c'est pour ça que les, les nuances et les distinctions, il bah, va falloir être solide. Et, et évidemment que c'est mieux de faire du, euh, du couvert végétal et de faire de la production sur le couvert végétal et tant pis, tu vois, c'est mieux de faire ça, mais ça ne va pas régler le problème. Ça va pas régler le problème que bah, on n'a pas de haies, euh, on a euh, toujours un problème d'accès euh, avec les les filtrations de quantité, etc., même s'ils réduisent les quantités, mais tu as quand même des problèmes de, de, de surquantité d'engrais, de pesticides, des compagnies. Et en vrai, le, enfin, la, la vraie, vraie problématique, c'est surtout les haies et les, euh, les, ce qui coupe les champs, en fait, pour permettre de faire des, des lieux de préservation de biodiversité. Et tout ce démembre, enfin, tout ce remembrement qui a fait qu'on a fait des énormes champs ben, pose un gros problème, euh, non pas dans l'idée de productivité, mais dans l'idée de... Qu'est-ce qu'un bon environnement pour, à long terme, avoir une bonne manière de vivre Et en fait, l'idée des haies et de casser les champs, c'est dans une coévolution avec l'idée aussi de sortie de capitaliste. C'est que plus on va casser les champs et plus on va réussir à, à dispatcher les cultures et à, à sortir de ce côté-là, bah plus on va réussir à peut-être... En vrai, c'est pareil comme d'avant, hein, c'est pas acté, mais on va peut-être pouvoir plus réussir à sortir justement du capitalisme parce qu'on bah, va avoir... Euh, euh, par exemple, je sais pas, t'as dans plein de régions différentes, tu peux avoir des, des cultures différentes, tu peux avoir des. Euh, on va, pareil, si on arrive à sortir du catalogue, bah, on va peut-être avoir euh, 50 blés euh, différents en France. Bah, 50 blés différents en France, tu peux pas faire une norme, donc c'est beaucoup plus compliqué pour un capitaliste de faire de la survaleur sur dessus. Bref, en fait, on peut repenser plein de choses comme ça. Let's go, merci beaucoup, euh, Escargot pour la bonne, le raid. Installez-vous bien, les gens. Et, euh, et du coup, c'est super intéressant en fait, de penser. Au-delà au de penser l'agriculture comme un espèce de mo truc monolithique, euh, assez vous bien les gens, parce que ça s'est bien passé, en fait, il faut aussi penser l'agriculture comme euh, une sortie de capitalisme. Et du coup, bah, pour la sortie de capitaliste, pensez, par exemple, voilà, le, le, la multiplicité des, des légumes, la multiplicité des céréales, euh, la, multiplicité, euh, des la multiplicité des techniques d'agriculture, la multiplicité des techniques d'élevage. Et du coup, revenir aussi à, euh, vous savez, ce côté un peu, euh, pour ceux qui sont dans l'élevage, je pense que vous connaissez les, les, les races... Euh, les races de chaque région, par exemple. Il bah, y avait une époque où vraiment, chaque race avait sa manière d'être élevée, etc., dans des machins. En fait, on a tout uniformisé, où maintenant, c'est plus ou moins la même race, dans les mêmes abattoirs, etc. Bah, retrouver hein, ce côté un peu euh, biorégionaliste permet aussi de s'émanciper du capitaliste. Et là-dessus, justement, euh... là-dessus, c'est dans, dans quoi C'est dans le Métabolisme, hein où il y avait... C'était super intéressant et Cette chaîne, les gens, je vous la conseille de ouf. Hein. Cette chaîne, elle est trop trop... Ouais, c'est celle-là. Et il justement, il y a ce Boog là qui a fait une vidéo sur les biorégions. Et, euh... et il retrace un peu ça. Et il est vraiment trop, trop, trop intéressant. Et il retrace justement cette question-là. Et en fait, l'idée, c'est que plus on va sortir des normes et plus on va sortir de tout ça, plus on va avoir des trucs différents, des, 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 des choses, des techniques, des, des savoirs, des, euh... des, des, des... Merci beaucoup, Ribo. Attends, mais tu donnes des thunes quand tu fais ça Ou c'est gratuit du coup, je sais pas s'il faut que je te remercie ou pas. Les, les gros émotes, c'est des thunes ou pas Parce que si c'est des thunes, merci à chaque fois pour les, les thunes. Si c'en est pas, bah juste, voilà. Mais c'est juste pour être sûr, parce qu'il faut que je te remercie, quoi. <coughs> tu devrais lire euh, Le Roi Gourin ou Simondon ou style Ouais, bah j'ai déjà lu puis des techniques, je pense, vis-à-vis -vis des questions sur la nature. et y a moyen que ça... ça te ouais, mais je... Alors, Simodon, je le vois par rapport à d'autres penseurs. Je ne l'ai pas encore lu de lui-même. Stiegler, j'ai beaucoup, beaucoup lu. Et... Euh, non, non, mais de toute façon, ça, c'est un bagage. Enfin, la question des techniques, même... Euh, 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 jacques Ellul, Charbonneau, euh, Gorz... Euh... Enfin, ça c'est un bagage que je, je... on pourrait presque dire que je maîtrise plus ou moins. Euh, je peux vous citer pas mal de gens qui, qui en parlent si vous voulez. Mais euh, là justement c'est intéressant de voir dans le contexte par exemple des biorégions. C'était vraiment vraiment cool. Du coup je vous le conseille. Franchement cette chaîne là elle est parfaite. Enfin, elle est vraiment bien. Pas parfaite, mais elle est vraiment vraiment bien. 1000 balles pour chaque gros Non bah vrai arrête, je sais pas, c'est vrai ou pas Non, je sais que c'est pas vrai pour les 1000 balles, mais il euh, y a pas une histoire où c'est pas gratuit. Euh, bref. Euh... Donc voilà, c'est super intéressant et du coup je vous le, je vous le conseille. Ensuite j'ai lu quoi récemment Ouais ça c'est le truc sur les effets rebonds. Bon, ça c'est un peu classique mais en vrai si vous voulez un peu un, un, un article sur l'info des, des, des effets rebonds, machin en vrai je vous le conseille, c'est intéressant. 30 bits par défaut mais tu peux régler jusqu'à 10 000 bits comme Asanabi Ah d'accord ok euh, Donc t'as quand même donné des bits Ok bah merci du coup pour les bits Et euh, je vais les régler à je sais pas peut-être 100 bits ou 50 bits on verra Mais merci beaucoup du coup euh, parce que je ne savais pas Ah mais oui voilà je le vois Ah oui euh, Rio a utilisé 30 bits Ok bah merci beaucoup pour les, les, les bits Et merci John pour l'abonnement aussi euh, bref Donc ça je vous le conseille Et en bref euh, Fabrice Flipo Il est facile à lire Parce que comme je vous disais Un argument Un, un paragraphe un argument du coup, c'est assez facile à lire, et euh, en fait, ça permet de bien comprendre où est-ce qui va, etc. Je conseille Samir Boumediene, La colonisation du savoir, une histoire des plantes médicinales. Oui, je le devais le lire, très très bon. Merci beaucoup pour le partage, l'idée. Je, je, normalement, je l'ai en tête, ce livre-là, je sais que je l'ai de côté, mais merci beaucoup. Ah, c'est une recension, trop bien, bah merci infiniment, je vais mettre ça de côté, trop cool. Mais oui, oui, et évidemment. Et en fait, t -t toute la force du capitalisme, c'est de, 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 de normaliser et d'effacer les, 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 les multiplicités culturelles. Et c'est pour ça aussi qu'il faut faire hyper attention. Euh, tous ces discours anticulturels, antimulticulturalistes et compagnie. En fait, à quel faut aussi penser jusqu'à où ces discours-là sont pro-capitalistes. Parce que mo moins vous aurez de, de, dis de dispatchement culturel, moins vous aurez de séparation des cultures, etc., plus le capitalisme va pouvoir s'insérer et être omniprésent et hyper puissant. Et attention, je dis pas qu'avoir plein de cultures différentes, plein de trucs, ça, va ça sort du capitalisme, pas du tout. Mais je dis que c'est plus compliqué à un capitalisme... De faire du fric si on est dispatché partout, donc il va toujours réussir à se faire du fric, mais c'est plus compliqué d'être omniprésent. Par exemple, l'exemple qu'on pourrait sortir, c'est les, les restaurants, etc. Bah, oui, il y a des chaînes de restaurants, mais mine de rien, il y a encore des restaurants hindous, euh, euh, je sais pas, algériens, machin, marocains, etc. Et du coup, bah, cette spécificité-là permet à des gens de pouvoir s'en sortir dans le capitalisme et de faire émerger une espèce d'économie euh, euh, pour eux, quoi. Alors ah bien sûr là c'est des limites, hein, c'est des restrictions, hein, c'est très euh, limite comme discours dans le sens où oui, on reste en enfin fait dans le capitalisme, etc. Oui bah spoiler alert, pour le moment on n'a pas d'autres moyens. Mais c'est vrai qu'avoir cet éventail de différenciation des produits, etc., évite que un Elon Musk, un Jeff Bezos, euh, un McDonald's viennent et disent Ah bah tiens, hop on va faire du, euh, du pot de taille, on va faire euh, du vietnamien, on va faire du marocain. Ah non, c'est plus compliqué. Et du coup, ça, ça permet un peu de s'échapper de ça. Et en fait, ce qu'il faut réussir à faire après, c'est allier euh, euh, bah, la cuisine, par exemple, orientale ou, ou peu importe, avec les cultures locales. Ok, bah, Jean-Michel, euh, moi, je fais un resto comme ça. Est-ce que tu peux me faire mes légumes et c'est comme ça qu'on peut réussir à un petit peu héberger de cette, cette problématique du capitalisme et de machin. En tout cas, moi, c'est quelque chose que je trouve hyper intéressant et qu'il faut absolument réussir à... Bah à se... Ouais, à sortir. Et c'est pour ça que tous les discours anti-multiculturalistes, etc. Euh, au-delà de l'être, au-delà d'être bête et d'être dangereux sur le côté moral... Euh, culturel etc., c'est en fait c'est aussi des discours qui sont hyper pro-capitalistes et qui en fait renforcent le système économique. Donc, il faut vraiment le, le penser comme tel. Plus quelqu'un va être pour la monoculture euh, enfin, la, la monoculture culturelle, plus euh, cette personne sera en fait pro-capitaliste et euh, pro-expropriation euh, euh, de la plus-value euh, produite par les gens. quoi. La défense de l'autonomie locale va être le challenge du progressisme futur, à mon sens. Ouais, je, je suis absolument d'accord avec toi. Et c'est pour ça que sur la question de la bio des biorégions, il euh, y a deux vidéos que je vous conseille. Euh, alors, vraiment, vous vous énervez pas, je vous jure que euh, c'est pas. Euh... <laughs> Ce que vous allez voir, je vais vous conseiller euh, un, un gars, et je vous jure qu'il est intéressant dans cette vidéo. <laughs> Est-ce que vous parlez aussi du locavore Ah, je connais pas assez le locavore, mais oui, le, pour, à mes yeux, le locavore en fait est quasiment plus pertinent que euh, de manger bio par exemple. Vaut mieux 100% manger local. Que manger bio, mais après local, ça veut dire quoi C'est toute la nuance. Si local, c'est manger euh, l'exploitant agricole qui est chez Lactalis, enfin tu sais le, 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 le celui qui a des milliers d'hectares, bah, c'est pas pareil que manger local chez le maraîcher, tu vois. Euh, c'est pour ça que manger local, pareil, ça veut tout et rien dire. Euh, garder en tête que les paysans c'est pas une classe sociale enfin euh, C'est pas un monobloc euh, Dans la paysannerie Dans, dans, dans le bloc agriculteur Il euh, y a euh, les exploitants agricoles terriens Et il y a les, les, les ouvriers agricoles Il y a ceux qui sont entre deux Avec euh, les, leurs petites exploitations Et du coup il faut vraiment garder ça en tête Parce que ça, ça n'est pas la même chose euh, Du coup je vous conseille donc la, chaîne, la chaîne au poste alors Par contre les gens c'est impressionnant Franchement j'ai énormément d'estime pour le travail de Dave Duff. La quantité de production de Dave, de, de haut poste, mais c'est hallucinant. C'est franchement, c'est un truc de fou furieux. C'est, et en plus, dites-vous à chaque fois, ils lisent les bouquins, ils font des questions sur les livres et tout. Enfin, c'est. Mais c'est monumental. Je suis à chaque fois impressionné. Et c'est, enfin c'est vrai. Bref, c'est franchement. Allez-y les yeux fermés. C'est euh, ouais le goat. Franchement, le, le goat et ce qu'il est en train de mettre en place là, c'est c'est chapeau bas artiste quoi. Franchement, vraiment chapeau bal artiste. Euh, David a un super. Ouais, bah, ça, ça rend le truc vraiment cool quoi. Euh, grave intéressant. Merci d'ailleurs. La FNSEA continue de mettre les panneaux du village à l'envers chez moi. Ouais voilà. Mais, mais tu vois euh, sur la question de l'agriculture par exemple là pour la, la FNSEA. On va encore de nouveau avoir cette question de est-ce qu'il va falloir aller suivre les, les, les paysans, les agriculteurs euh, pour euh, la, 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 ce qui risque d'arriver bientôt bah, C'est toute la question. Euh, moi, Dofi, j'ai envie de dire, derrière, il y a des gens quand même, qui soient exploitants agricoles, etc. T'as quand même des gens qui se mettent la corde au cou. Euh, un paysan sur deux qui se met la corde au cou. Et en fait, beaucoup de gens qui sont à la FNSA en sont quasiment plus victimes et, euh, et euh, prisonniers que vraiment volontairement acquis à la cause. Et là-dessus, pour vous démontrer ce que je dis, je vous conseille absolument de lire Silence dans les champs, surtout si c'est un, un, un sujet qui vous tient à cœur. Euh, lisez Silence dans les champs pour comprendre justement cette... Euh cette subtilité-là. Non, je sais pas, on sait pas si c'est euh, FNSA, mais je pense que c'est l'autre, c'est la, la Confédération Rurale, et euh, donc c'est entre, entre FNSA et un peu plus euh, excentré, à mon avis, hein. mais par contre ça reste extrême, enfin, plutôt extrême droite. Voilà, ils sont aussi esclaves, et du, voilà, exactement, salariés esclaves du système agro-industrie, agro exactement. Et en fait, gardez en tête que les vrais méchants de l'histoire, ça va être les gérants des, euh, des entreprises agro-industrielles. Donc les gérants des limagrins, les, les, gens, les gérants des lactalis, etc. Ça, c'est vraiment les gros, gros méchants, entre guillemets, de l'histoire, parce que c'est eux qui ont accès aux ressources, qui ont accès au terrain, qui ont accès à... En fait, c'est eux qui ont accès à tout. Et en fait, dites-vous, les gens, que ces gens-là ont enfermé des régions entières dans des méthodes d'agriculteurs. Par exemple, la, la Bretagne et enfermé dans l'agriculture porcine. Mais c'est un, un vrai enfermement. Ça veut dire que le, la Bretagne se retrouve bloquée, polluée, avec des morts sur la conscience parce que ces gens-là ont enfermé la Bretagne dans ce système-là. Et, et c'est pour ça que c'est vraiment dangereux. Et ces gens-là, même ces gens-là, du coup, c'est vraiment on va dire les gros gros méchants. Et ceux d'en dessous qui sont exploitants agricoles, mais qui sont criblés de dettes, euh, qui sont tous les jours la boule vende par le boulot, etc. En fait, désolé, mais à mes yeux, ils sont tout aussi victimes du truc, tu vois. C'est pour ça que je. Moi, là-dessus, je, enfin, je sais que sur les agriculteurs, moi, je suis pas. Euh, enfin, je, je suis très euh, conciliant, quoi. Dans le sens où je, je sais ce que c'est de, de, de. Enfin, dans le sens où je sais. Je, je l'ai jamais vécu, mais j'ai beaucoup, beaucoup lu là-dessus. Et en fait, la plupart sont pris là-dedans, ne savent même pas trop pourquoi ils font ça. Euh. Et en fait, ils sont pas volontairement là-dedans, tu vois. Et, et, et du coup, c'est trop facile de leur taper dessus. C'est trop facile d'aller dire ah machin, machin. Non, les gens faut vraiment pas se moquer. Et en fait, même rester humain. Un jour sur deux, il y a un paysan qui se met la corde au cou, tu vois. Ça veut dire, c'est qu'il y a un vrai mal-être. Il y a un vrai, vrai, vrai mal-être. Et moi, qui vote extrême droite, qui, qui sont un peu euh, droitards et tout, franchement, c'est pas grave. Euh... L'idée c'est qu'on fait la révolution, la révolution c'est pour libérer euh, tout le monde, tu vois. Et libérer aussi les paysans, et surtout les paysans, tu vois. Salut Emodem, j'espère que tu vas bien. Sans la coperle, l'Embal euh, et Saint-Brieuc disparaissent. Euh, alors je connais pas assez les, les trucs, mais je vois oui, bah, je vois, vois ce que tu veux dire. Et en fait, dites-vous, bah, la Bretagne, les plages sont polluées. Euh, dites-vous, la Bretagne, euh, les, les prolétaires de la Bretagne... Ne peuvent que travailler dans des abattoirs. Du coup, il y a aussi énormément de, de problèmes de santé, de, 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 de. pas de mort, mais de, de, de problèmes psychiatriques, psychologiques à l'abattoir. Enfin, en fait, ça a structuré la société. Et en fait, ça structure au point où. Eh ben, l'accès au logement est lié à l'agro-industrie. Euh, l'accès au, au au, aux banques, aux assurances est lié à l'agro-industrie. Donc, c'est-à-dire que si tu te mets une personne à dos tout le réseau te, te bloque et tu te retrouves en fait bloqué dans ta situation sociale. Donc c'est-à-dire que si tu te retrouves à dos le, le quelqu'un de l'Imagrain ou quelqu'un de l'Actalis, ben tu n'as plus accès à le compte, tu n'as plus de compte en banque, tu n'as plus d'assurance, tu n'as plus de mutuelle, tu n'as plus d'accès euh, euh, tu n'as plus accès au, à l'abattoir. En fait, tu n'as plus rien. Donc vous voyez, c'est pas juste les gens-là sont sont vraiment bloqués dans ce système-là, c'est pas et du coup, c'est trop facile d'aller les attaquer quand toute la société et là-dedans. Ah, bah, après, j'ai beaucoup, beaucoup lu sur le sujet. C'est pour ça que je, je maîtrise un minimum. Mais je pense que ceux qui le vivent, c'est encore plus dur, tu vois. J'avais un collègue, son taf étudiant, c'était euh, épiler des têtes de porc à l'abattoir. Oui, mais voilà. Et en fait, c'est ça qu'il faut garder en tête. C'est que tu commences le taf d'abattoir en étudiant. Et si, si tu n'as pas d'autre travail, tu vas finir à l'abattoir. Et en fait, dans, dans l'abattoir, tu vas te retrouver. Enfin, l'abattoir, en fait, va être le lieu de socialisation pour la famille, pour retrouver du boulot c'est abusé et du coup l'agro-industrie en Bretagne c'est ce qui structure la Bretagne et en, 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 globalement en négatif en vrai le film les Ergues Vertes est vraiment efficace comme point d'entrée pour comprendre ça en Bretagne ouais voilà et, oui, donc, et du coup la la Bretagne donc euh, Stéphane euh, Morgane Large qui elle du coup lutte contre ça elle a toute la Bretagne contre elle et en fait elle a, elle a subi euh, deux ou trois tentatives d'assassinat quoi donc euh, non c'est un vrai un vrai calvaire Ici, le, en Bretagne, l'écart se creuse entre résidence secondaires de bord de mer et prolétaire des terres. Ouais, bah ça m'étonne pas. Hein. Force à, enfin, franchement, force à vous les gens. La Bretagne, c'est vraiment pas facile. Hein. Ils subissent la même injustice de classe que nous. Mais oui, c'est ça. Mais, mais en fait, le problème, c'est qu'ils subissent la même injustice de classe, sauf qu'ils sont enfermés dans cette méritocratie, dans ce truc de il faut travailler, etc. Parce qu'en fait, si vous leur enlevez le fait que c'est des travailleurs, et que c'est des vrais travailleurs et qu'ils charbonnent, en fait, vous leur enlevez tout ce qu'ils ont. Puisque ce qu'ils ont, c'est des dettes, euh, des factures pas payées. Enfin, globalement, ils ont que des trucs négatifs. Le seul truc qui leur reste, c'est d'être des travailleurs, d'être des, des, des acharnés du travail. Et c'est ça qui fait qu'ils tiennent. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est toute la question c'est que le moment où ça lâche, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de suicides, c'est le moment où ça lâche, c'est 10, 20, 30 années à avoir pris sur soi et à être un peu bête et méchant de se dire je tiens, je tiens, je tiens. Et en fait, le moment où ça lâche, il bah, n'y a plus d'échappatoire et c'est le, le suicide, parce que bah, a... c'est trop gros, quoi. Exactement, c'est la fierté des paysans, leur identité et l'entraînement de l'animation, exactement. Et, et bref, et du coup, faut, faut, c'est vraiment, vraiment important de, de comprendre ça, et, de... et en fait, sur la, la question de la paysannerie et de l'agriculture, il ne faut pas y aller euh, bêtement, quoi. Il faut vraiment être euh, malin, réfléchir, et tant pis s'il faut faire front avec l'extrême avec droite ou la droite, enfin... Ça fait chier de dire ça, tu vois, mais tant pis. Là, pour le coup, c'est un des trucs très compliqués où on ne peut pas abandonner. Enfin, en tout cas, moi, à mes yeux, on peut être en désaccord, hein, mais moi, à mes yeux, je ne laisserai pas tomber. Et euh, même si c'est des connards qui votent extrême droite, bah, c'est pas grave. Euh, ça reste des, des êtres humains qu'il faut essayer de, de préserver de leur aliénation là-dedans. Et c'est vrai que c'est très difficile à dire. Je comprends qu'il y ait plein de gens qui ont pas envie de faire ça, euh, notamment ceux qui sont les premières victimes de, de, des discours d'extrême droite. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais moi, là-dessus, je vous avoue, c'est mon. Euh, c'est un peu mon euh, ma, 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 ma comment dire ouais mon, mon, mon truc où je je ferai pas défaut quoi là-dessus c'est un peu mon cheval de bataille où on peut pas laisser tomber tu vois et les chasseurs prolo de campagne du coup t'en penses quoi mais le problème modem, est modem c'est que les chasseurs prolo il euh, y en a quasiment pas <laughs> c'est un peu le problème c'est que les vrais chasseurs de prolo bah il y en a vraiment pas tant que ça et c'est une sociologie que je connais quasiment pas en fait donc du coup bah c'est pareil si c'est de la chasse pour aller se nourrir et avoir du gibier euh, euh, en tant que réserve de nourriture, bah tranquille, tu vois. Je, moi, je comprends, tu vois. Chasseur de prolo, oui, voilà, c'est plus ça. Mais en vrai, de vrai, euh, là-dessus, je vous conseille cet article-là. En fait, les, les chasseurs prolos, c'est une classe sociale qui n'existe quasiment pas. Chez moi, il y en a plein. Ouais, mais t'es en, en Corse, non En Corse, c'est pas étonnant. Euh, en Corse, c'est pas étonnant. Euh, mais dans la, en France, c'est pas du tout le, le cas. Oula, il a dit à le chasseur de pro. Ah, j'ai vraiment dit ça, pardon, pardon. Il n'y en a, a plus beaucoup, c'est des chasseurs en 4 4 maintenant. Oui, voilà ça. Et en fait, ça reste des chasseurs un peu. Euh... Tu sais, ça reste des chasseurs. Euh... Les producteurs là. Ça reste des chasseurs, en gros. Le bas de la classe. Enfin, haut des prolétaires, bas de la classe moyenne, je sais pas comment on pourrait le dire. La socio, la socio des chasseurs, c'est surtout cadre et agriculteur... Ouais, c'est ça. En fait, les chasseurs à l'heure actuelle, c'est plus des. Euh, des employés, en fait c'est plutôt ça, ça va être employés, cadres et euh, agriculteurs. Et du coup, c'est globalement une sociologie globalement. Putain, euh... j'arrive pas à trouver mes mots. Hein. Une sociologie globalement euh, haute. <coughs> voilà, qui va à la chasse Je vous conseille cet article là, qui va à la chasse, qui revient un peu justement sur les a priori qu'on peut avoir. Euh... Euh, Là-dedans. Mais par et en fait, c'est comme d'hab, voilà. ceux que je connais, ils sont soit petits patrons, soit ouvriers. Et en fait, c'est comme d'hab, c'est que c'est un milieu où ça s'entrecoupe. Et donc, du coup, les petits patrons vont croiser les ouvriers. Et c'est un peu un milieu où ça va effacer la, la distinction de classe. Et du coup, bah, le prolo va copier, singer les discours de classe. Des, et tu vois, du, du coup, c'est assez particulier. Mais c'est une sociologie que je maîtrise vraiment pas. Du coup, je vais pas aller plus loin. Parce que vraiment, je la maîtrise pas du tout. Mais attention quoi, c'est la, la sociologie chasseur-prolo, elle est vraiment plus du tout si pertinente que ça, voire même à l'inverse, euh, c'est plutôt l'inverse qui se passe. Il faisait trois tonnes de miel, il faisait son propre miel, chassait en dehors de son taf, de travail, d'espace vert pour la mairie. Ouais ouais, ouais bah après. Le problème de la chasse c'est que c'est assez particulier, c'est qu'en métropole, il y a une vraie construction sociale de la chasse, avec une construction sociale du gibier. Dans le sens où c'est plus de la chasse pour réguler machin, c'est de la chasse qui a été mise en place après, de la, de la, de la, du, après avoir volontairement reproduit les gibiers, après les avoir volontairement libérés dans l'espace public, et du coup après avoir volontairement mis en place les structures de, pour perdurer la chasse. Bref, du coup c'est assez... C'est vraiment biaisé comme sujet parce que il euh, y a un rapport où euh, en gros la, la chasse à l'heure actuelle c'est une construction sociale qui a été notamment construite par toutes des décennies en fait de, de reproduction de, de, de gibier par exemple pour vous dire les sangliers à l'époque ils, ils faisaient 2 euh, à 4 petits et en fait les chasseurs les ont reproduits avec des porcins, enfin avec des, des cochons et du coup maintenant les sangliers font 4 à 6 à à petits et du coup, on a doublé la population de cochons. Enfin, de, de sangliers. <coughs> Vous voyez, en fait, c'est hyper particulier parce que c'est un, une vraie construction politique. C'est un vrai sujet qui a été construit par l'être humain. Salut Alia, j'espère que tu vas. tâche je suis en train d'avoir le nez bouffé, là. Faut que j'arrête de faire de ce que j'ai vu une réalité. Mais en fait, c'est ça. En fait, c'est qu'il faut faire super gaffe sur les sujets, euh, notamment agriculture, euh, chasse, les trucs comme ça. Faut faire super gaffe et en fait, euh, essayer de vous référer à des. Mais en vrai, Emo, euh, tiens, tu peux checker ça si tu veux avoir un peu d'informations. Euh... Après, tu vois, et après, même moi, je connais pas la Corse. Peut-être qu'en Corse, elle est même problématique, tu vois. Je. je... Je peux pas dire, mais par exemple, je sais qu'en Corse, euh, tout ce qui est élevage et tout, c'est un peu plus clean, euh, c'est plus de l'élevage en pâture. Je crois qu'il y a quasiment pas d'élevage de, de, en, en fermé. Donc, tu vois, la, la Corse est quand même restée dans un espèce de, de truc agraire, euh, plus ou moins, euh, alors, pas dire anti moderne, mais ni anti industriel, mais relativement accessible. Euh, du coup, le, la Corse, je connais pas assez, mais on est quand même dans quelque chose qui est euh, différent de, de ce qu'on peut avoir. Euh, de ce qu'on peut avoir euh, vraiment dans le, la, le continent, quoi. Et d'ailleurs, ils respectent pas du tout la réglementation de chasser à plus d'un kilomètre des habitations trop dangereux. Oui, voilà. Et en fait, le vrai problème à l'heure actuelle de la chasse, c'est surtout que euh, je crois qu'il y a une volonté d'étendre les, les, les dates de chasse à large pour pouvoir chasser tout le temps. Il y a un non-respect total de, de, des, des règles de sécurité. Et en fait, il y a aussi des vrais problèmes de les gens ne peuvent plus aller dehors euh, profiter de. De, 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 de discuter, de marcher etc il y a une espèce d'accaparement du, du collectif euh, pour la chasse Et en vrai il y a une espèce de question aussi à se poser est-ce que la chasse à l'heure actuelle au XXIe siècle est-ce que c'est quelque chose qui est encore désirable euh, par rapport au partage du de la... du terrain quoi du par... la... la partage du... putain j'arrive plus à trouver bon je commence à fatiguer on va pas tarder d'arrêter le... le partage du territoire voilà le partage du territoire et en vrai, la question qu'on peut aussi se poser, peut-être, c'est de se dire, bah, réduire la chasse à des activités très précises et en fait, fermer la, le, le partage des territoires à la chasse, à part des cas très exceptionnels, par exemple de battue, etc. Mais ne plus faire de la pratique de la chasse à quelque chose d'aussi de, de euh, dilué, tu vois. Je sais pas, après, là, c'est des questions, moi, j'ai pas de réponse à ça. Hein. Quand j'avais deux ans, on avait appris que le maire du village avait failli tuer un gosse en balle perdue dans une zone interdite à la chasse. Ouais, voilà, après, il y a aussi des bâtards qui vont en zone interdite, tu vois. Mais même, après, tu peux aussi avoir des gamins. Genre, t'es petit, t'es petit, t'es un petit peu fougue, tu vas dans une zone qui n'est pas autorisée, tu te fais tirer dessus. Bah ouais, mais le petit, comment tu veux qu'il est censé savoir, tu vois Donc moi, moi, je pense qu'il y a aussi une vraie question à se dire. Est-ce qu'au XXIe siècle, en 2024, est-ce que c'est encore désirable d'avoir un partage du territoire lié à la chasse, tu vois euh, Est-ce qu'on ne peut pas transférer la pratique de la chasse à euh, la pratique du tir euh, en plein air, par exemple Pourquoi pas Enfin, tu vois, il y a plein de choses à réfléchir, mais euh, ça serait peut-être aussi intéressant. Et en fait, c'est aussi les gens. Il faut aussi garder en tête la chasse, c'est quelque chose qui est plus ou moins subventionné par l'État, et en gros, il y a actuellement un vrai problème où il y a une volonté de nourrir le gibier euh, qui est interdit. Hein. Mais de nourrir le gibier pour qu'il y ait plus de gibier, pour que du coup, on puisse avoir plus de subventions pour payer les chasseurs. Parce qu'il y a vraiment ce côté où les chasseurs sont des... Des, gens, des agents utiles pour réguler les populations de gibier. Mais du coup, si tu nourris toi-même le gibier, bah en fait, c'est un espèce de truc auto-nourrissant où euh, bah, il suffit d'avoir plein de gibier pour avoir la subvention plus grosse et encore avoir plein de thunes. Et en gros, le, le mec qui passe tout le temps à la télévision, là, le mec un peu fort euh, euh, qui parle de la chasse. Il y, a, il, y a, en fait, il y a ce truc là, quoi. Il y a, il y a ce truc où, euh, pour avoir plus de thunes, euh, il faut euh, euh, en fait, qu'il y ait plus de gibier. Et c'est voilà, là-dessus, je vous conseille vraiment les lectures sur la chasse qui permet un peu de comprendre ça. Euh, qui, qui, qui est vraiment intéressant là-dessus. L'effet qu'on Ouais, c'est ça. D'ailleurs, Barnier veut autoriser plus de chasse aux loups parce qu'il soit disant il y en a trop. Oui, voilà, alors que c'est pas du tout. Enfin. Alors là-dessus, je, je crois que c'est est, Darren hein, qui est. Euh, qui est euh... Il ne va pas forcément être d'accord avec moi. Mais euh, la, la question du loup, en fait, ce n'est pas une question qu'il y en a trop. C'est une question qu'on a tellement accaparé les espaces de territoire qu'en fait, la manière dont les espaces de territoire sont accaparés font que les loups vont focus les, euh, les lieux d'agriculture. En vrai, de vrai, de la manière, si c'est censé, censé faire de manière bonne et bien pensée, les loups n'ont pas intérêt à aller dans les lieux d'élevage. Bon, dans la théorie. Après, bien sûr qu'en pratique, c'est toujours plus compliqué. Mais dire qu'il y a trop de loups en France, c'est vraiment une connerie, tu vois. Après, il y a une mauvaise gestion, ça c'est clair et net. Mais euh, en fait, tu. Enfin, bref. Le, le, fait, le problème, c'est de voir les loups que comme un impact. Et après, je comprends, tu vois. Je crois que c'est Darren hein, qui. Est, je suis pas sûr. Je suis pas si c'est Darren, mais. Ils ont que c'est Darren. Après, c'est sûr, quand tu vois ton. ton, ton, ton quand tu vois ton. Ton mouton se faire tuer par un loup, évidemment, tu vois, au-delà même de la. Parce que normalement, tu peux te faire rembourser et tout, tu vois, c'est même pas. Au-delà même de la contrainte. Euh... économique, c'est aussi un choc psychologique. Enfin, voilà, c'est vraiment des, des, des choses pas agréables à vivre. Ça, là-dessus, je suis d'accord. Ok, 100%. Mais au-delà de ça, faut aussi penser le loup, pas que comme. Quelque chose de négatif, en fait, le loup, c'est aussi celui qui va réguler bah, les petites bêtes, c'est aussi celui qui va réguler les problèmes de zoonoses. C'est aussi, enfin, c'est ça le loup. Le, le, la question du loup, c'est que ça ça, ça, incré... enfin, ça ça, prend en question l'idée de zoonoses, l'idée de partage de territoire, l'idée de, de faire aussi émerger euh, d'autres niches écologiques. En fait, si vous voulez, c'est que s'il y a trop d'animaux dans certaines zones géographiques, ça empêche des niches écologiques d'émerger, et du coup ça empêche la biodiversité de pouvoir se faire. Et en fait, les prédateurs sont tout aussi importants que les, les petites bêtes. Et sans prédateurs, on se retrouve avec des territoires euh, en mauvaise santé, et donc du coup avec des impacts à terme sur la population euh, locale. Et en fait, le loup n'est pas un problème en soi. Le seul loup que j'ai vu dans ma vie, il était en laisse, il me faisait pitié de fou. Ah putain, c'est dur. Moi, j'ai jamais vu de loup, j'ai vu plein de renards, mais jamais vu de loup. De loup. Euh, bref. Voilà, voilà. Euh, grand prédateur, il a la santé de la faune et de la flore locale, exactement. Et en fait, c'est ça le problème. Et du coup, nous, on a, on a encore une vision très euh, pas séiste. Et ne pas voir ça, c'est vraiment être... Euh, malheureusement, à des années-lumière de ce qu'il faudrait faire, quoi. Et du coup, on perd du temps, et ça nous pose problème. J'ai vu un parc à loups, c'était badant, ils étaient amorphes. Bah oui, mais c'est pas fait pour, c'est pas fait pour. Et en fait, dites-vous, pareil, les, les ours sont en train de revenir aussi en France, dans les Pyrénées et tout, et les, en fait, il faut vraiment mettre en place cette question-là, parce que la question des ours, elle est tout aussi importante. Les ours, les loups, les renards, euh, les belettes, euh, etc., mais pour ça, et c'est là tout le problème, c'est que pour faire ça, bah, il faut libérer des espaces. Et sauf que, on est en train d'artificialiser les territoires, on perd l'équivalent, je crois, d'un département par an ou tous les 10 ans en surface. Et en fait, ça ne fonctionnera pas. Il va falloir laisser des territoires, il va falloir libérer des territoires. Et du coup, il faut refaire des forêts, il faut refaire des, des paysages où il y a rien pour aussi permettre, en fait, ces loups de vivre là. C'est que si tu enlèves toutes les zones de nourriture des loups, bah évidemment qu'ils vont aller dans les, les élevages, c'est beaucoup plus simple. C'est là tout le problème, c'est que c'est trop facile d'aller attaquer les loups quand derrière tu as enlevé euh, la, les moyens de subsistance des loups. Et c'est pour ça que toute la question de la philosophie de la vie, la philosophie du vivant, euh, les questions de, de relations, les questions de, de l'autre, euh, la, la question aussi de l'habité coloniale, je vous en parle souvent avec Marco Ferdinand. Justement, l'habité coloniale, c'est ça l'habité coloniale, c'est effacer l'autre de l'habiter, c'est effacer l'autre de ce que peut je peux vivre. Et l'habiter colonial, c'est mettre des bâtiments partout et ne pas penser à l'autre. Mais l'autre n'est pas juste l'autre. L'autre, c'est ce qui permet à toi de vivre. C'est que sans l'autre, sans l'altérité, toi-même, tu ne peux pas vivre. C'est pour ça que c'est hyper important et que c'est des notions qui sont vraiment des notions clés. C'est que tu ne peux pas vivre sans les bactéries, tu ne peux pas vivre sans les virus, tu ne peux pas vivre sans les loups, tu ne peux pas vivre sans tous ces gens-là. Malgré les impacts qu'ils peuvent avoir sur la population, tu ne peux pas vivre sans eux. Du coup, il va falloir articuler avec ces gens-là. Enfin, avec ces, euh, ces, ces autres-là. Et c'est vraiment des bases de réflexion philosophique qu'il va falloir articuler et qui posent encore des problèmes parce qu'on est très, très, très dualiste et on a encore du mal à aller euh, au-delà de ça. Quoi. On est très, 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 très fermé dans cette euh, vision du monde. Euh... Bon, là-dessus, c'est intéressant, mais... La recension, elle est un peu. Euh, elle tacle bien. Parce que le livre, il est un peu problématique. En fait, c'est un livre qui revient sur euh, la question des, euh, des, des objets et tout. Et, euh, et en fait, il y a un vrai problème de, de, dans le travail sociologique. Il y a pas mal de problèmes qui ont été ré répercutés dans le, la recension. Et je trouve que la, la recension est intéressante parce que c'est assez rare d'avoir des recensions qui sont à ce point-là euh, attaquantes. Et du coup, c'est assez cool. Et Jeanne Gouin, je vous en avais déjà parlé. C'est celle qui a fait les, les livres, le livre là sur la consommation des objets, là, le consumérisme à travers les objets. Et c'est une meuf qui avait fait un, un idée large. Euh, un idée large qui était super intéressant et qui avait réussi à amener Anna Arendt sur la question des objets et de notre manière de vivre. Justement. Bah tiens, on en revient sur notre manière de vivre. Euh, elle avait justement. Euh, euh, réussi à connecter euh, Anna Arendt et euh, la question de, de jeter des objets, euh, de jeter, avoir cette vision de jeter des objets comme une vision euh, de, de, de penser notre monde et de penser par exemple de jeter les relations, relations sociales ou de jeter euh, plein de choses, etc. Bref, c'était super intéressant et du coup, je vous le conseille. Je vais un peu vite parce que je commence à fatiguer, j'ai le nez qui commence à être plein, mais euh, elle est super intéressante. Et euh, cette émission, allez-y les yeux fermés, hein, c'est une émission incroyable. Euh, vous pouvez vraiment vraiment y aller les, les, les yeux fermés, euh, trop 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 cool. Et du coup, je vous conseille cette émission qui est très très bien. Papanek vas-y tu as un lien euh, Loompula ça m'intéresse de ouf ça. Si tu veux, t'as papa Papanek papa Nec. Sur la question, des tra à travers le design, en plus c'est trop, bien. le design, je suis. Mais vu que je vais faire de la philo esthétique, ça c'est hyper important. Designer, ah bah trop bien, bah merci beaucoup. Parce que je vais bientôt faire de la philo esthétique euh, au semestre prochain. Et euh, je suis éclaté en. <laughs> je suis vraiment éclaté en tout ce qui est un peu ces trucs-là. Et du coup, il va falloir que je me muscle sur euh, le design et sur euh, l'architecture. Tu me donnes envie d'être intéressé sur ces, sur ces sujets, c'est ces tellement intéressant. Bah ouais, mais parce que en fait, la, bah ouais, les gens, moi, si j'ai repris la, si repris ma philo, la philosophie, c'est notamment sur la question de la philosophie du vivant et justement sur la question de comment vivre avec l'altérité, comment vivre avec l'autre, malgré qu'on sait que l'autre euh, peut être euh, bah, jusqu'à euh, destructeur, quoi, en parlant des bactéries ou des virus. Et moi, c'est un peu mon, mon, ma base de réflexion, et là-dessus, je me base beaucoup sur Malcolm Ferdinand, sur l'habité coloniale de Malcolm Ferdinand, là-dessus. Euh, et toute la critique des dualistes etc Et c'est vraiment pour ça en partie Que j'ai repris la philosophie et j'ai envie de travailler absolument Sur ces questions là Il euh, y a la table on a... Bah vas-y si t'as des liens euh, je suis chaud Envoie hein, les liens Et en parlant d'idées larges il y a Mohamed Mézian qui est passé sur les idées larges euh... Attends, mais, oh, du... mais en vrai attendez Mais en fait si il y, y a même un autre truc qui était trop cool Les fantômes là je vous jure, il y a eu un idée large sur les fantômes. Il était trop bien. Voilà. Que nous veulent les fantômes euh, Je vous le conseille de fou. En fait, le mec, il a pris les questions des fantômes. C'était super intéressant. En fait, il n'a pas dit si ça existait ou si ça n'existait pas. Il, genre, on s'en fout. Mais il dit Que fait la vision des fantômes dans notre construction matérielle Genre, comment les fantômes euh, s s se retrouvent en fait matériellement présents dans nos quotidiens et c'est trop, trop intéressant, parce que du coup, il va prendre plusieurs angles de, de réflexion, il va prendre pas mal de, de petits exemples et tout. Et en fait, c'est super intéressant, parce que du coup, ça dépasse l'idée de est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai Genre, on s'en fout, tu vois, c'est vraiment pas la question. L'idée de savoir quel impact ça a sur nos sociétés, sur les, les systèmes économiques, etc. C'est trop, 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 trop intéressant. Merci beaucoup. Euh... Voilà, donc, je vous conseille les idées larges sur euh, ça et euh, du coup, idées larges sur euh, Méziane aussi. C'est quoi qu'il appelle fantôme du coup ben, Ça peut être justement euh, plein de trucs. Ça peut être euh, des esprits pour certains, ça peut être euh, l'être qui reprend vie euh, ch chez d'autres, euh, ça peut être euh, euh, le bruit du vent pour d'autres. Euh, en fait, c'est pas euh, la question de qu'est-ce qu'un fantôme, on s'en fout, tu vois. C'est qu'est-ce qu'un fantôme pour les uns et les autres dans, dans, la, dans la société. C'est trop, 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 trop intéressant. Et, euh, et moi, je trouve ça trop cool justement de sortir de ces côtés-là. En fait, je, je trouve ça trop, trop pertinent et intéressant de réussir à sortir de. Euh, Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas vrai En fait, on s'en fout. C'est quel impact ça a, ce vrai, sur la société euh, du coup, ça renvoie au livre au bonheur du des morts récits de ceux qui restent de vincennes Després. Mais à un moment, moi, à un moment, il a pris un exemple trop précis du Vietnam. Il a pris un exemple trop précis du Vietnam en mode une population en fait. Où, euh, euh, si tu faisais pas. Euh, si tu respectais pas les morts, ils venaient te hanter. Et en fait, que ça soit vrai ou pas, c'est. Mais les gens faisaient avec, tu vois. Et c'était super intéressant. Franchement, attends, je vais me le réécouter. Parce que là, je vous le vends en mode. C'est sûr que. En mode, ouais, si vous croyez pas aux fantômes, ça vous paraît compliqué. Et moi-même, je crois pas aux fantômes. Mais on s'en fout. C'est pas intéressant. C'est ça qui est trop bien. C'est que ça. C'est pas intéressant de savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. On s'en fout. C'est quel impact ça! Et c'est trop cool. Faut pas donner des excuses pour les insomnies. Ça a l'air grave intéressant. Genre la sociologie du surnaturel. Un peu. Mais oui, mais c'est ça! C'est vraiment ça! Et moi je trouve ça trop cool! Parce que ça permet un peu de, de voir euh, bah, comment les sociétés se construisent autour de ça. Euh, comment les rites se mettent en place. Euh, comment euh, la, les, les pratiques coutumières et, et, et se mettent en place. Enfin, ouais, c'est trop cool. Moi j'ai trouvé ça trop trop cool. C'est euh, l'approche ethnologique. Ouais, c'est. Je crois qu'il a un bagage ethno. Ouais, c'est possible. Euh, et c'est que moi l'exemple du Vietnam. Attendez, je sais pas si je peux essayer de vous le trouver. L'exemple du Vietnam, il m'a matrixé. Vietnam, euh... je crois que c'est ça. Hein. Et qui se manifeste Pourquoi est-ce que ça arrive Est-ce que je sais que c'est difficile de trouver des points en commun entre toutes ces situations, mais est-ce que y aurait un point en commun qui serait que réclament quelque chose, qu ils exigent quelque chose Oui, oui, tout à fait. Le, le... Ouais, donc ça, en gros, est-ce que les fantômes peuvent exiger des choses Ouais, c'est trop intéressant parce que du coup, on est en mode on s'en fout que c'est vrai ou pas. Est-ce qu'il y a des fantômes qui peuvent exister des choses Et quel est du coup l'impact sur les gens de cette question-là mmh. les, les morts, quand ils reviennent, en général, euh, ça a quelque chose à voir avec la justice. Ça se voit particulièrement dans les situations où euh, les morts sont intensément euh, et très fréquemment frappés d'injustice, notamment dans les situations de conflits armés donc euh, euh, le travail de Eoni kohn euh, au vietnam a, a, a très bien montré ça, le, le, la façon dont les morts pouvaient émerger des situations de guerre et en fait pas seulement émerger des situations de guerre mais parce que le, à travers ce que les morts demandent aux vivants d'imaginer un futur commun possible qu'est-ce que demandent les morts aux vivants au vietnam eh bien, ils demandent qu'on prenne soin d'eux et souvent ces morts euh, c'est des morts euh... du camp adverse euh, des morts du nord qui sont venus euh, mourir au sud, ou inversement. Et euh, donc euh, ces morts demandent euh, finalement que euh, euh, la paix des vivants soit prolongée par euh, une adoption des morts, c'est-à-dire que ces morts errants qui sont morts loin de chez eux, eh, ils sont morts près d'autres familles, pas la leur, et ils demandent, par leur présence même, à recevoir des soins, et euh, les familles intègrent ces morts dans l'hôtel de leurs ancêtres, euh, de façon à les placer, justement. Euh, malgré la façon dont ils étaient déplacés. Euh, Concrètement, euh, ils sont. Voilà. Et en vrai, là, ce qui est trop intéressant, c'est de se dire, ok, que ça existe que ça n'existe pas, on s'en fout. Mais de ce fait, on va respecter les morts, même de ceux qui ne sont pas des nôtres. Et en fait, ça nous rend plus humains dans cette pratique-là. Après que ça soit contraint ou pas, on peut, on peut questionner la contrainte. Mais c'est trop intéressant parce que du coup, cette croyance ou pas en fantômes et en la au revenance des morts fait que. Bah même l'ennemi mort chez nous, on va respecter son corps comme un des nôtres. Et c'est trop... Mais je sais pas, ça va matrixé. Oh, euh, T'as m'avait dit ça m'a fait rire. Regarde... Euh, attends. Euh... Euh, regarde le compte de 1, c'est un chercheur d'architecture, Merci beaucoup. Ah, c'est trop cool. Hop, je vais noter tout ça. Architecte. L'état d'urgence, ça n'est pas un état d'exception. Ok, trop cool, trop cool. Merci beaucoup. Euh, et là-dessus, j'avais lu, lu aussi un livre justement sur euh, euh, la, la, un éthologue en devenir bah, peut-être, Mais je trouve ça trop cool. Sur justement euh, comment euh, Deleuze et Guattari avaient été utiles pour euh, l'armée israélienne pour là, penser à la question de, de l'espace aussi. Trop intéressant, malheureusement. Ils sont morts sans sépulture. Ils sont et morts sans sépulture. Et ils réclament d'être enterrés correctement. Euh, voilà. Et euh, donc, alors... euh, on retrouve. Enfin, oui, comment, comment on fait alors, euh, c euh, c est, c est, ça, c'est quelque chose d'assez euh, spectaculaire. Euh, c'est que euh, des personnes au Vietnam, depuis les années 80, euh, 90, euh, mais en fait jusqu'à aujourd'hui, euh, le travail de Paul Santino euh, euh, au Vietnam l'a bien montré. Euh, des, des médiums, pas forcément des médiums professionnels, euh, et des personnes sont possédées par euh, les morts qui les guident jusqu'à leur euh, lieu d'inhumation. De, de, et donc, euh, vous avez euh, comme ça des, des, des cérémonies dans lesquelles une personne et en fait ce qui est fou là par contre qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas c'est que on retrouve les corps et c'est ça qui est ab... c'est ça qui est ouf c'est comment ça se fait que la personne qui est possédée on en arrive à retrouver le corps qui était perdu et là là tu vois, tu commences à, à difficilement te dire c'est pas possible c'est qu'il y a bien un truc qui se passe mais c'est quoi là là dessus chacun ses avis euh, mais ça veut dire quand même, merde, il se passe un truc. Euh, de cette cérémonie, devient possédé et court à travers une rivière, des buissons, euh, des épines, euh, des, euh, des, des, tout ça, pour s'arrêter à un endroit et dire, c'est là que je suis, donc euh, possédé par le mort. C'est là que je suis. On creuse et on retrouve des ossements. Et on trouve la dépouille on retrouve qui doit être transférée après. Et qui, donc, est, est réenterrée. Euh, bien, Alors, oui. soit dans une famille euh, euh, d'accueil, soit dans sa famille, si on connaît sa famille. Il y a plein de situations possibles. Mais ces morts exigent euh, 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 que, que justice leur soit faite, soit parce qu'ils n'ont pas été bien placés, soit que leur place ne leur convient pas. Les contextes de guerre ou les Et là et les gens ça m'a matrixé. et bref, je trouve ça trop 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 intéressant et du coup franchement je vous conseille mais globalement les gens les idées larges allez-y les yeux fermés c'est une très 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 bonne émission euh, c'est vraiment excellent et euh, voilà donc il y a, y, a, y, a, y, a y a eu Mohamed Mesiane qui est passé récemment il euh, y avait un truc sur l'inceste qui était trop cool euh, il y a vraiment il y a vraiment trop 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 de thèmes et en fait comme vous pouvez le voir hein, euh... Regardez, c'est un safe place, hein, vous inquiétez pas, on est, euh, on est en territoire conquis. <laughs> Pour ceux qui n'ont pas la rêve, c'est que des éditions divergentes. En fait, il a so euh, pas divergente, la fabrique. Il y a soit la fabrique, soit divergente. Donc euh, globalement, vous inquiétez pas, c'est le, le safe place. <laughs> Bref. Moi, euh, bon, j'ai fait un peu le tour. Euh, Je euh, commence un peu à être fatigué. Je vous conseille juste encore 2-3 trucs. Je ne connaissais pas ce mec. J'ai regardé ce documentaire Arte, Arte Cinéma. Michel Gondry, je ne connaissais pas. Et en fait, c'est un, un, un mec qui fait des clips vidéo. Qui a fait des clips vidéo, qui fait des clips vidéo. Et c'est un, un acharné de travail. C'est vraiment un acharné de travail. Et la, la quantité de trucs qu'il a fait, la, la, la qualité, c'est incroyable. Et dites-vous, les gens, ce tiers d'autistes... A la fin du documentaire, il parle, et en fait, ce mec, il fait des dessins animés pour sa petite fille en collage, enfin, pour sa fille en collage, où il passe des fois des 12-13 heures par jour à travailler dessus, et pour un seul auditeur, <laughs> il fait des, des... il passe des heures et des heures et des heures et des heures pour sa fille. Turbo connu le book, bah ouais, mais comme quoi, tu vois, moi, je le connaissais pas. Et, euh... et en fait, c'est que... Des... voilà, pour ceux qui connaissent la musique et tout, c'est que des clips iconiques, donc c'est sûr que vous les connaissez. Mais moi, du coup, j'ai découvert comme ça et c'est incroyable. Et je suis trop heureux d'avoir découvert ça. Et oui, et franchement, les gens, art et cinéma, c'est trop stylé. Euh, des fois, il euh, y en a qui sont pas fous. Genre, par exemple, Joachim Phoenix, là, que vous pouvez voir ici. Il n'était pas folichon, folichon. Mais euh, Gondry, là, c'était vraiment, vraiment bien. Du coup, je vous le conseille. Euh, j'ai découvert ça et. Euh... Trop cool. Euh... Je vous conseille aussi cette émission. Donc euh, je vous la partage parce qu'elle est peut-être pas faci facilement euh, trouvable, elle est chez Alafoka, elle est pas chez Histoire Crépus, mais c'est Histoire Crépus qui revient sur un événement colonial et en fait, c'est trop ouf parce qu'il est parti il est parti enfin euh, euh, rencontrer les locaux qui ont vécu l'événement et il leur a même euh, Montrer des archives en France. Et en fait, vu que les archives elles sont bloquées en France et qu'elle peut pas peut pas revenir en Côte d'Ivoire, eh ben il a permis en fait de partager les archives. Donc trop, trop, trop intéressant. Et du coup, chapeau bas encore une fois à l'artiste hein, pour avoir fait ça, euh, avoir fait ce travail-là. Merci beaucoup à lui. franchement trop, trop cool. Donc, je vous mets ce lien-là. L'édition du mois de mars du magazine Populaire euh... Mécanique. Et il y a un autre truc qui était assez intéressant. Donc euh, bah limite, euh, voilà, vous connaissez mon avis. Euh, même si je trouve que la, la chaîne commence à vraiment step up et à vraiment s'améliorer, il y a encore des points des fois où je suis un peu bon. Mais globalement, c'est vraiment de mieux en mieux. Et en fait, il y a eu une invitée qui était trop cool, mais étonnante. Donc, il a invité cette personne-là, qui est en fait une euh, une descendante du roi belge du Congo, euh, du pardon, du roi. <laughs> voilà faut que j'aille <laughs> que j'aille arrêter du roi <laughs> du roi belge pardon mais qui a fait des dingueries au Congo pardon et en gros elle est descendante euh, directe de ce mec là et en fait elle... c'est hyper intéressant parce que elle... elle revient un peu en en contre-discours elle est quand même euh... voilà Léopold elle est quand même euh... consciente de sa famille elle est consciente de sa situation elle est enfin elle est vraiment c'est franchement c'est hyper intéressante d'avoir à ce tiers de bourgeoisie et à ce point-là, euh, bah, décolonial, euh, antiraciste et tout. Et franchement, c'était agréable à écouter. De, de voir que, euh, bah, malgré son, malgré tout le milieu dans lequel elle a vécu et compagnie, de voir qu'elle en sort euh, quasiment plus pertinente que la plupart des gens euh, euh, bourgeoisie culturelle, tu dis, putain, c'est cool, tu vois. Donc, franchement, euh, agréable surprise. Euh, bon, faut quand même voilà, nuancer. Est-ce que ça reste quelqu'un de situé euh, socialement et tout mais vraiment vraiment cool et voilà la, 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 la chaîne limite euh, bon par exemple euh, lui je suis pas convaincu tu vois genre cette vidéo là je suis pas convaincu même si c'est des choses qui se passent réellement euh, je, voilà, je, je, ça me convainc moins. Mais euh, ce que j'aime bien chez limite, c'est qu'il a ce, cette notion où il a, non, il a conscience de ses erreurs passées. Il a conscience d'avoir fait des partenariats pas fous. Il a conscience d'avoir déconné et tout. Et en fait, il n'est pas du tout moral. Il est bien dans cette euh, évolution, amélioration. Donc, euh, non, franchement, euh, c'est bien. Ah, il a refait un truc avec euh, Calvin Suarez. Oh. oh Oh Je vais écouter ça. Je vais écouter ça. Euh, bref. J'ai fait le tour. Ah oui, si <laughs> Je plaide coupable, je m'excuse. Euh, en fait, j'ai dit, dit sur un Discord que j'étais gaze au Mahjong et euh, que j'étais vraiment pas bon. Euh, je m'excuse <laughs> et je plaide coupable d'avoir dit tout ça. Je ne m'en rendais pas compte <laughs> que je faisais partie des top 4 meilleurs joueurs de la plateforme. <laughs> je suis désolé. Parce qu'en gros, je suis, donc, euh, je suis master là. Et en fait je disais en gros euh, Parce que des fois je fais vraiment des erreurs bêtes Et je suis vraiment en mode Putain je sais pas jouer je suis une immense merde et tout Et je suis vraiment comme ça Et, euh, et en fait du coup je dis ça sur un discord Et Krone elle, elle, elle me prend par le callback En mode mais arrête de dire ça euh, Tes master c'est déjà bien tu vois Et je suis en mode mais non mais c'est pas tant que ça <laughs> Et en fait je trouve ce <laughs> Je trouve cette séparation des... des rangs Et en fait je suis top 4% des joueurs Et du vous les gens <laughs> je suis top 4000 euh, sur mon serveur. <laughs> et je vous jure que je fais pas gaffe, je fais pas exprès. Donc sans le faire exprès, je suis top 4000 de mon serveur. Et je vous promets que c'est pas fait exprès et je vous promets que c'est pas de la fausse modestie. Je me trompe des fois vraiment gaze. Voilà, mais du coup, je plaide coupable et je vais essayer d'améliorer mon discours et d'arrêter de dire que je suis pas bon au, au Mahjong. Voilà. Et euh... ah putain, j'ai envie de parler d'animé aussi mais euh, bon, les gens, je vous fais juste un petit topo animé avant de partir. Euh, petit topo animé avant de partir parce que euh, les gens incroyables. Il y a plein d'animés, c'est trop bien. C'est là franchement, on va bien manger. On va trop trop bien manger. Dan, 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 allez-y les yeux fermés, ultra banger. Franchement, euh, c'est c'est banger. Uzumaki. Alors je sais pas si vous avez vu la. <laughs> vous avez vu ce qui s'est passé avec Uzumaki ou pas? Ils ont fait une blast, ils ont fait une mariole Uzumaki. Du coup, j'ai fait un petit tweet rigolo. Regardez mon tweet. Euh... <laughs> Ta merde, je parle trop. Enfin, je retweet, je retweet trop. Euh... <laughs> Mais en gros, Uzumaki, Uzumaki, ils ont fait une, une mariole. <laughs> en vrai, ils ont fait l'épisode 1, full pognon. Animation incroyable, c'est trop beau et tout. <laughs> et puis épisode 2, ils se sont mis à dos le studio. <laughs> et du coup, ils sont en mode est-ce qu'on finit la série Ou est-ce qu'on arrête euh, Ou est-ce qu'on bacle on on l'épisode Et du coup, ils ont dit bon, bah tant pis, on va bacler l'épisode. <laughs> et du coup, il y a une réduction drastique de la qualité de l'animation. La, et du coup, ça m'a ça vraiment fait penser à Blast. <laughs> ça m'a fait trop rire. Mais bref, en après, en vrai, Uzumaki, honnêtement c'est pas folichon genre ça vaut pas je pense que ça va être même mieux à lire ça vaut pas son pesant de cacahuète je vous le conseille pas euh, blue lock c'est assez stylé euh, la le la tension qui va y avoir dans l'animé là et la... le, le... le... La... merde le, le thème qui va évoquer l'animé ça va être vraiment cool donc ça c'est assez intéressant blue lock va vraiment être cool euh, Kenshin le va baga... vagabond je sais pas si je l'ai là donc ça c'est ce soir, premier épisode ce soir d'Aima, Dragon Ball d'Aima. Euh, bon Blue Exorcist c'est vraiment pas ouf, euh, regardez pas ça. Ça c'est trop bien les gens euh, L'orbe mouvement de la terre là, donc Chi, Shikiyu, no, machin, c'est en gros un gamin qui, euh, qui va à l'université. Et qui doit euh, choisir une matière, et en fait lui il veut, il veut faire astronomie. Son pasteur lui dit non il faut que tu fasses théologie, du coup il dit ok je vais faire théologie. Et en fait, son pasteur il doit récupérer un gars. Euh... Je vous fais un peu le pitch du premier épisode. Après, euh, vous, je vous... Enfin, si ça vous, si vous botte, allez-y ou pas. Si ça vous botte, et en gros, il va voir un... 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 un mec qui a été puni par euh, l'église pour avoir fait euh, des recherches scientifiques euh, euh, blasphématoires. Et en fait, euh, en discutant avec lui, il se rend compte qu'il est fan d'astronomie et en gros, il va faire des recherches sur euh, euh, les mouvements de la Terre. Et en gros, c'est trop intéressant parce que ça reprend, ça reprend un peu la critique de. Euh, je crois que c'est Galilée, non Il me semble, hein c'est Galilée qui a été euh, puni comme ça. Alors, je sais pas si c'est Galilée, peut-être que c'est encore après. Je peux pas envie de dire de bêtises. Mais globalement, ça reprend cette idée de, des mouvements de la Terre. Et euh, en fait, c'est la Terre qui tourne et compagnie, c'est pas juste la, tout le Soleil qui tourne. Et euh, en fait, c'est super intéressant parce que du coup, ça reprend ça. Et apparemment, ça va partir un peu en cacahuète. Du coup, euh, trop, 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 très, trop, trop. Franchement, c'est vraiment cool. Et, et, pas, euh... et en fait ce qui est hyper intéressant c'est que c'est pas... Vous savez, il y a un peu ce discours de rabaisser la religion. Et en fait ce que j'ai trouvé beaucoup... vraiment bien dans l'épisode c'est que le mec qui est un peu critiqué comme blasphématoire, il dit justement, mais non c'est parce que j'aime tellement Dieu que je veux, le, re... je veux le... le remettre en fait à son honneur et ne pas, euh... pas marcher dans ses à côté de ces pas en fait. C'est parce que j'aime Dieu et c'est parce que je suis profondément croyant que justement je fais ces recherches scientifiques parce que là on est en train de faire des choses qui sont pas bien à Dieu. Et en fait c'est trop intéressant cette dualité entre ben, ces deux visions de Dieu qui vont se côtoyer, dont les deux approches vont être radicalement opposées. Et en fait c'est pas un discours anti-religion. Anti, euh, et du coup ça rend le truc un peu intéressant parce que Alia justement elle avait dit en mode... Ouais ça va être encore un animé en mode euh, ouais, la religion c'est la merde et tout. Bah en fait non pas du tout. C'est pas du tout du tout dans cette approche là. Et je trouve que ça, ça rend le truc encore plus intéressant. Donc ça allez-y c'est trop cool. Euh, pour ceux qui aiment un peu les enquêtes policières. Il y a euh, Kamono, Kamono Hachiron qui est assez intéressant aussi. Ça vaut pas son pesant de cacahuète Mais si vous cherchez un truc un peu intéressant, un peu enquête. Euh, je, je vous conseille de je vous conseille cet animé c'est assez cool mais c'est pas euh, c'est pas folichon quoi c'est bien sans plus euh, ça c'est vraiment bien par contre euh, grosse surprise euh, Negapossi Angler donc c'est un animé de pêche et euh, donc c'est le deuxième épisode donc pour le moment c'est un peu le début mais deuxième épisode franchement c'est vraiment cool c'est vraiment vraiment agréable euh, parce qu'il y a un rapport à la pêche, il y a un rapport à l'alignation avec le travail, il y a un rapport avec la pauvreté aussi, il euh, y a un rapport aussi avec la question de... de la mort, parce que le personnage principal est en phase terminale, donc il y a aussi un rapport avec la mort, avec les activités, etc. Enfin bref, il y a pas mal de questions assez intéressantes qui viennent, l'animation elle est plutôt jolie, les persos sont vraiment cool, euh, les DA sont super cool, donc franchement euh, belle découverte, j'aurais pas cru, mais euh, Negaposy Angler c'est vraiment intéressant. Euh, donc à voir la suite en tout cas, mais les deux premiers épisodes sont vraiment cool. Et par contre, bah euh, Kenshi le, Vaga le vagabond, bon, un peu classique. Euh, pour ceux qui ont déjà vu l'anime euh, classique, ça vaut pas du coup euh, ça vaut pas son pesant cacahuète. Par contre, pour ceux qui l'ont jamais vu, bon bah voilà, c'est Kenshi le Vagabond. Là on est dans la deuxième phase, c'est assez cool, c'est assez intéressant. Moi j'aime bien, hein, voilà, j'aime bien parce que c'est le côté Un peu, un peu, un peu samouraï, c'est toujours cool. Euh, ça, ça commence ce soir je crois. Du coup, euh, non, ça commence dans 7 jours, donc ça, ça j'ai pas encore vu. Euh, bon, ça, moi, ça, j'avoue, Initial D, c'est mon péché mignon. Enfin, c'est euh, MF Ghost, mais globalement, c'est Initial D. J'avoue, je plaide coupable. Je vous le conseille pas, hein, c'est éclaté, mais c'est vraiment mon péché mignon. C'est trop bien, euh, voilà. <laughs> je je conseille pas, mais bon. Euh, ça, malheureusement, il bah, y a pas de traduction encore euh, en anglais euh, pour les sous-titres. Du coup, je peux pas regarder, j'ai trop le sem. Mais attendez, je veux vous montrer un autre truc, moi. Il est où le truc stalker là, stalker, il est trop 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 stylé. Attendez, faut que je vous, ça par contre je vous le conseille vraiment de ouf. Surtout si vous avez aimé, si vous avez aimé euh, solo leveling. Attendez, je, je le cherche, je le trouve pas. Euh, merde. Bah il est où Ah c'est peut-être pas, c'est peut-être un, peut un Oena? Attendez, je le trouve pas. Bah non, Left Offer machin. Ah si, Oena, attends, c'est peut-être un Oena. Euh... Attendez, il est où Voilà, oui c'est ça. Ok, c'est un original. Euh, ok, je vous conseille vraiment. Alors ça, enfin je vous conseille. Si vous avez aimé euh, sur le leveling et euh, les constructions de personnages un peu antagonistes, enfin les héros un peu antagonistes, allez-y les yeux fermés, c'est trop stylé. Alors bon, je sais pas comment ça s'appelle en, ah oh, bah tiens si, c'est euh, wa... Wajutuchi Wajutuchi et euh, ça a l'air d'être trop stylé. Et un peu le côté euh, création de guild, un peu en mode solo leveling. Donc c'est assez cool. Et euh, le personnage principal, il est. Waouh, wow, j'étais choqué. Enfin, Je vais pas aller vous dire plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Mais j'étais choqué de ouf. En mode. Ah ouais Ah d'accord Voilà, bref. Bon allez J'espère que ça vous a plu les gens. Euh... Est-ce que vous avez des petites questions avant de, avant de finir Répète le nom, j'ai raté, ouais, c'est Wajou euh, WajuTuchi. Attends je te mets le lien si tu veux, je te mets le lien. Euh, Est-ce que vous avez des petites questions avant de partir ou pas Est-ce que voilà, mais en tout cas c'était vraiment cool, j'ai bien aimé. Ça fait plaisir de restream. Euh, le problème voilà, c'est que ça va être de plus en plus axé philo parce que j'ai moins le temps de lire des trucs politiques et tout c'est un peu chiant. J'essaye de temps en temps quand même de, de rester connecté et de lire des articles et tout, mais c'est un peu... voilà. Et pareil, les streams sont pas du tout structurés. Je, je, je prépare rien. C'est vraiment je rentre des cours et je, fais, je lance les streams. Donc c'est peut-être un peu moins agréable, donc vous m'excuserez d'avance. Euh, mais ce qui est bien, c'est que du coup, vous voyez ma progression en philosophie, je pense que ça peut être aussi utile pour vous. Et je vais bientôt euh, mettre au propre mes cours sur le obsidian. Donc comme ça, pour ceux qui veulent, euh, vous aurez vraiment mon cours... Euh... Vous allez avoir accès à mes cours sur Obsidian Donc ça peut peut-être vous être utile Et puis bah voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions euh, à, à me poser hein. Et puis bah voilà, n'hésitez pas ce des... euh, En tout cas c'était vraiment cool, moi j'ai vraiment apprécié Je vous envoie chez qui les gens Bah en vrai, je vois sociologues Il n'y a, a pas beaucoup de monde <laughs> Je vous envoie chez Je vois Merci pour les refs, au plaisir et euh, au, au plaisir, franchement c'était trop cool. J'ai une question, comment tu fais pour suivre les cours maté 8000 laminés et docu euh, Parce que tout ce qui est docu podcast je fais en x2. Donc c'est à dire que je rentre des cours, je me fais deux heures de... où je libère l'esprit et je fais euh, full docu machin en, en x2. Euh, après je travaille un peu. Et en fait le soir avant de dormir je fais euh, une heure où je mate 2-3 euh, épisodes. Et en fait vu que les épisodes je les regarde à la suite. Enfin comment dire, en fait vu que je regarde les épisodes à chaque fois à leur sortie, ben bah, j'ai pas de retard. Du coup en fait ça me prend euh, 20 ou 40 minutes par jour. Parce que je regarde 1 je regarde deux à 2 à deux, épisodes max d'animés par jour. Donc du coup ça fait que euh, sur une semaine tu peux mater euh, quasiment 7, fin, 14 animés différents. Sur une semaine tu peux regarder 14 animés différents. Donc ça me fait euh, un panel d'animés assez, assez cool. Euh, les podcasts, j'ai fait euh, quand je vais en cours, je vais en cours à pied, du coup j'écoute des podcasts euh... Et euh, les, les documentaires je les regarde le soir en... quand j'ai du temps quoi. Et quand, tu... quand est-ce que tu joues en ma... au majong là-dedans Quand j'écoute je... Quand je... Quand des. En fait quand je rentre des cours En général je me fais euh, deux heures de majong où j'écoute des podcasts etc Enfin, j'écoute des, des trucs en x2. Et en fait, je me fais plein de vidéos en x2 euh, en jouant au mahjong. Et, euh, et après, je travaille. Après, je vais. De... Mais là, ouais, les gens, c'est <laughs> c'est hardcore. Hein, c'est dur de. <laughs> en fait, en fait, si, si je le, le mahjong, c'est vraiment, ça m'aide trop quoi. Le mahjong, ça m'aide à me libérer l'esprit, tu vois. T'as des recours au podcast? Bah Là j'écoute beaucoup de France Culture Mais ouais globalement Spectre Média Tu peux y aller les yeux fermés Sp Spectre Média c'est vraiment euh, Tu Quasiment l'ensemble de la chaîne c'est euh, Tu peux y aller les yeux fermés en plus ils ont une euh, Ils ont une euh, Une application si tu veux Et sinon c'est les, les podcasts France Culture hein, Malheureusement euh, euh, France Culture bah, tout ce qui est LSD LSD tu peux y aller euh, Les yeux fermés aussi c'est plutôt cool donc tu tapes LSD sur France Culture. Ça c'est vraiment... Euh, globalement c'est toujours bien. Et après par contre il faut vraiment y aller... Euh, voilà, faut mesurer quoi. Euh... Spectre ils ont sorti l'app mobile. Ouais ouais c'est pour ça que je vous conseille euh, Spectre. Et sinon vous avez <laughs> Sniped qui est pas trop mal pour euh, machin. <laughs> Mais il faut faire à la main pour ajouter tous les... les trucs quoi. Mais ouais c'est sûr là les gens les, le temps il est un peu devenu euh, short quoi c'est à dire que bah je fais euh, deux parties de ma jungle euh, allez peut-être 3-4 max par jour euh, du coup ça réduit euh, les nombres de parties euh, je mate plus autant d'animés que je veux je lis quasiment plus tous les livres que je veux c'est sûr que là le temps euh, pour réussir à articuler le temps etc c'est compliqué mais bon voilà hein, de toute façon il faut réussir hein, euh... puis il y a des journées où je vais pas faire grand chose hein, tu vois c'est ça quoi se libérer les esprits avec des podcasts en x2 c'est trop gros cerveau pour moi. Ouais voilà, après les gens moi je suis vraiment un, un mordu de travail, je suis un vrai workaholix euh, Enfin je, je vous conseille pas de faire ça tu vois. Et aussi, en fait il y a deux choses, c'est que je suis un vrai workaholix et j'ai quasiment pas de relations sociales. Donc du coup, j'ai un temps euh, quasi limité en fait. C'est que vu que j'ai pas de relations sociales ou très très peu de relations sociales, bah, en fait, tout, enfin, ma journée, elle est, elle, est, elle est, complète pour faire des choses pour moi. Donc c'est quelque chose qui permet moi à faire plein de choses. Enfin, je peux faire plein de choses de ce fait-là. Et en fait, j'arrive à assez dispatcher le truc, tu vois. J'écoute des podcasts de cons de ce genre en tafant. Euh, je suis peut-être. Bah après voilà, moi je suis un vrai. Franchement, je suis un vrai vrai workaholic. Et je vous conseille pas de faire ça, tu vois. Euh, je vous conseille de réussir à trouver des temps morts Et réussir à faire des pauses euh, Et moi des fois c'est ce que je fais aussi Des fois euh, je vais sur un stream jeu vidéo Je me fais une partie de ma jong, Ou machin Ou tu vois c'est quand Week-end dernier Par exemple bah, le, le week-end Quand c'est les compétitions de Smash Bros Je mets rien Je, fais du, je regarde du Smash Bros tu vois Je joue à Smash Je regarde du Smash Ou je, je fais du ma jongle Je regarde Smash Bros Et y a, je fais rien d'autre que ça tu vois Tu participes beaucoup aux cours TD euh, Ouais malheureusement J'essaye de pas trop mono monopoliser la parole, mais en fait quand les profs ils posent des questions et qu'il y a un blanc et que personne répond, bah je prends la parole, tu vois. Mais j'essaye de pas trop monopoliser la parole, mais ouais je participe quand même beaucoup. Ouais. En fait ça me fait chier d'être amorphe dans un cours, tu vois. Si je vais dans un cours c'est pour participer, sinon ça sert à rien. Euh, en, fait, en fait si vous savez genre les profs ils posent des questions et il y a un énorme blanc, tu vois. C'est-à-dire que personne prend la parole, bah de ce fait là je suis en mode bon bah vas-y j'y vais, tu vois. Mais, mais par contre, quand je vois qu'il y a plein de gens qui prennent la parole, bah là je me mets en retrait, je suis en mode, bon, moi bah, je ne vais, vais pas monopoliser la parole, je vais laisser euh, la parole euh, libre, tu L'idée c'est que j'essaye d'être le moins... Euh, j'essaye vraiment de me mettre en retrait quand il faut, et quand je vois qu'il y a personne, là j'y vais. Et des fois même que des fois je prends la parole et je dis une bêtise, tu vois. Je dis une connerie, je dis un truc qui fait contre-sens, mais au moins ça permet de, de discuter, tu vois. Mais j'aime pas du tout quand les profs, ils, ils sont en mode, il euh, y a un espèce d'énorme blanc et, et on s'emmerde. Si on est zéro plus... Bah ouais, de ouf. Ah si, avant juste de... Je voulais vous montrer... Je voulais vous montrer ça, ça m'a matrixé. Et après, je vous envoie ailleurs. Euh... S'il y a des étudiants, genre 18-20 ans, ils... jeunes, ils osent pas prendre la parole. Ouais, mais c'est pour ça. Mais en vrai, on essaye d'être... Euh... On essaye d'être au maximum euh... bienveillant et tout. Et en vrai, nous, notre promo, notre classe, en enfile tout, on prend la parole. Enfin, tu vois, en vrai, de vrai... Euh... Euh, on essaye vraiment de. Enfin, je trouve que c'est vraiment agréable et il y a ce côté où les gens n'ont pas trop peur, tu vois. Et il euh, y en a qui ont peur, qui osent pas. Mais euh, là, ça commence à. Tu vois, on a un mois de cours, là, ça commence à bien libérer la parole et tout. Du coup, c'est vraiment agréable. On commence à faire des, des sujets machin. Et vu qu'on est quasiment tous des weebs, c'est trop. C'est trop... ce qui est trop drôle. C'est vu qu'on est quasiment tous des weebs, à chaque cours, t'as quasiment tout le temps un, un exemple animé. <laughs> T'as toujours un Death Note, un SNK, un My Rec Academia qui sort et du coup c'est trop rigolo tu vois Du coup en vrai non c'est vraiment une bonne ambiance, moi en vrai je trouve ça vraiment cool on, on, on kiffe bien, on passe des bons moments et non franchement c'est cool Alors, du coup regardez j'ai découvert ça et après je vous envoie chez Sociologue euh, Salut à toi Ravencrobe j'espère que tu vas bien, merci beaucoup euh... Et oui je suis, je suis de retour de temps en temps Je suis, je suis de retour de temps en temps euh... <laughs> Sur, euh, sur Twitch. Mais j'ai refait pas mal si tu veux sur YouTube. Tu peux checker. J'ai fait pas mal de VOD sur YouTube. Là, j'ai repris les cours. Du coup, je vais être moins dispo. Mais euh, dès que c'est la fin des cours, euh, j'en ferai pas mal de streams. Regardez, euh, ça m'a matrixé les gens. C'est incroyable. Et en vrai, c'est voilà le courage de monter ça impressionnant. Non mais les gens... Je vais vous montrer la suite, les gens, faut être un mordu de boulot pour faire ça. C'est un truc de fou furieux. Là, les zoomers ils sont trop forts Les zoomers ils sont trop forts C'est un vrai les gens mais c'est une dingue Et du coup j'ai vu ça et euh, aller voir la, la personne du coup euh, incroyable Allez voir la, la personne qui euh, très beau euh, sans du immense... Ah non, mais c'est fou c'est franchement elle est trop forte Ou il est trop fort je sais pas du reste Mais euh, du coup je vous partage le, le compte qui fait ça c'est euh... c'est hallucinant, c'est vraiment hallucinant. C'est euh... en vrai, je dis que c'est un zoomer, je sais pas si c'est un zoomer, mais c'est hallucinant quoi. Franchement, le mais regardez la quantité qu'il y a, non, c'est trop fort. Faut... Faut vraiment être un mordu de travail pour faire ça quoi. Du coup, euh... bravo. Attends, je te dis ton message, Raven. Euh, c'est parfait, ça fait très plaisir de te revoir. Tu reprends les cours de quoi Ouais, j'ai repris du coup cours de philosophie. Euh, du coup, là, je suis en licence de philosophie. Et, euh, et euh, là, je suis en licence 1. Et si tout se passe bien, bah, c'est parti pour euh, Road Master. Hein. On verra bien. Mais en tout cas, même si je galère, même si je le sens pas, je sais pas si je vais valider la première année. Je ne suis pas convaincu du tout. Euh, mais je sens que... Euh, bon, ça de. En tout cas, je, je sais que ça va m'être utile et je sens que j'ai envie de faire ça. Du coup... On va essayer de s'en sortir quoi. Mais voilà. Bref, les gens. à plus. C'était trop cool. Ça m'a fait bien plaisir de, de relive. De re euh, je sais pas quand est-ce que je refais un live. Franchement, parce que là j'ai pas mal de taf à faire. Faut que je lise. Enfin, euh, faut que je fasse les trucs de, de Grèce antique. Faut que je fasse un commentaire. Enfin, bref, il y a plein, plein de trucs à faire là. Là j'ai vraiment pas mal de trucs à faire. Euh, mais euh, voilà, tu as valider ta gagne. En vrai, on verra, de toute façon, c'est pas grave. Mais euh, je me dis que même si, même si je valide pas, je, je suis content parce que j'apprends plein de trucs, c'est vraiment cool et, euh, et c'est agréable. Enfin, je sens qu'il y a un truc pour la suite et ça, c'est cool. Voilà. Bah Merci beaucoup pour les gens, c'est cool, merci beaucoup. Et, euh, et puis voilà, bah, pour ceux qui veulent, il hein, y, y a des VOD qui sont dispo, il euh, y a des vidéos qui sont dispo euh, pour plein de thèmes différents. J'avais un peu repris avant de refaire la fac. Et, euh, et voilà. Donc là, je m'excuse pour les prochains lives, hein. ça va être très axé philo et tout, hein, comme. Mais bon, ça, voilà. Et puis on reprendra vraiment écologie politique, euh, on reprendra vraiment ça euh, la prochaine fois euh, l'été, enfin les printemps prochains quand j'aurai arrêté les, quand j'aurai fait une pause au cours, Voilà, voilà. Allez les gens, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao. Des bisous tout le monde.